Bonsoir à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er novembre, il est 20h. Comme d'habitude, nous allons vous présenter les enseignements de M. Keuch, les enseignements du jeudi. Donc, aujourd'hui, il sera question du 243e Knowledge Seekers qui a eu lieu, je ne sais plus, début octobre, je crois. Voilà. Donc, par contre, avant de démarrer, je voulais juste vous parler du Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu ce matin. Donc, c'était le KSW de 248. Et M. Keuch est revenu sur. Ben, nous a fait. Enfin, présenter quelques extraits de vidéos de ce qui s'était passé en Chine, de l'avancée, je dirais, de la KF chinoise. Vidéo très intéressante, très prenante pour voilà, si on comprend l'arrivée de. Enfin, le point d'arrivée de la KF chinoise. Et puis, dans le même temps, donc, il y a eu cette présentation des réacteurs, donc réacteurs entièrement plasmatiques, où vous voyez la lumière à l'intérieur. Donc, c'est une image très, très jolie qui reste un peu, je dirais, entre guillemets, un emblème pour cette nouvelle étape vers laquelle nous tournons. Donc, on est vraiment à une nouvelle étape. Et M. Keuch nous dit que ça risque d'aller très vite, que petit à petit, enfin, peu à peu, cette connaissance, cette arrivée va être largement partagée. Voilà, donc c'est ce réacteur. Voilà, avec toute cette lumière à l'intérieur. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est juste un support, hein, les petits supports que vous voyez là. Voilà, c'est un support. Hein. Mais la balle, voilà, le réacteur entièrement plasmatique et la lumière née. Voilà, l'arrivée de la KF chinoise qui sont bien, bien, en avance par rapport à nous. Voilà, regardez bien cette photo, c'est un peu un emblème de cette nouvelle étape vers laquelle nous allons. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir le 243e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 27 septembre. Donc, dans ce KSW, Christiane va nous parler de la force des champs dans l'espace. Donc c'était le Knowledge Seekers qui était consacré à l'herpès. Donc, je dirais compréhension de ce qu'est l'herpès. Monsieur Keuch va nous parler aussi de l'éradication d'Ebola. Ensuite, la grande fonction de l'âme, le but de l'enseignement. Et ensuite, aussi une ouverture sur le microscope universel de Rife, la lumière émise. Et enfin, en fin de knowledge, la protection des végétaux sans tuer les animaux. Voilà, donc ce Knowledge Seekers a été entièrement traduit par Christiane. Voilà, un beau travail. Et merci à Marc qui nous a aidés pour la mise en place du PowerPoint. Voilà, donc un grand merci à vous deux. Et je laisse la parole à Christiane. Merci, bonsoir à tous. Donc, Monsieur Keuch, dans le cadre de notre enseignement, dans la compréhension des nouvelles connaissances de l'espace,
nous devons comprendre comment ces énergies agissent avec notre corps. Nous pourrions être affectés par une infection de la gorge, du cœur ou un cancer, et nous pourrions l'avoir lorsque nous voyagerons dans l'espace. Notre âme va rencontrer les champs qui sont à ce niveau de force, va interagir avec eux et affecter son travail. Nous avons vu comment une intensité de rayonnement interagit avec le corps de l'homme, apportant des changements de comportement de certaines cellules par l'émotion de l'âme elle-même, d'une façon ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui peut tourner? Voilà, merci. Nous n'y avons jamais pensé parce que pour nous, ces champs sont loin. Ils n'existent pas. Nous avons été dans un cocon par les conditions atmosphériques de cette planète qui absorbe la majeure partie du rayonnement puis renvoie une partie dans l'espace. Mais une fois que nous sommes dans cet espace, nous tombons sur ce genre de champs qui sont beaucoup plus forts que l'entrée vers le centre des galaxies, par exemple, ou la ligne centrale de l'univers que nous atteignons de plus en plus près avec le système solaire. Par les différentes mesures des champs de force, comme nous en avons parlé la semaine dernière avec la vitesse 129 de Tesla, tout cela est applicable sur nous. Voyez comment ces champs nous affectent. Comment les voyons-nous? Comment pouvons-nous les surmonter? Je le disais dans plusieurs de mes enseignements dans le passé, l'homme dans l'espace ne mourra pas par les bactéries, les infections ou les virus, mais mourra par les paquets d'énergie que sont l'ADN ou force du corps de l'homme qui, dans ce processus, va interagir avec l'âme de l'homme de telle sorte qu'ils deviennent sensus sur toute la structure. Ils n'ont pas les caractéristiques physiques ni d'identité physique. Ils ont une force de champ magnétique gravitationnel dans une partie de la composition qui correspond à une partie de l'acide aminé de l'homme. Tous les éléments qui sont connectés étant le fer dans le sang, le cuivre dans le muscle, que ce soit l'acide aminé lui-même, ils ont la force du carbone qui permet le blocage, qui s'enferme à l'intérieur, se verrouille, parce qu'ils n'ont pas de dimension physique. Ils vont transporter une quantité massive d'énergie. Ils sont fabriqués de cette façon. Il n'y a pas de gaspillage de notre physique dans ce processus. Nous devenons des virus. Dans la technologie du plaçage, ce paquet d'énergie, l'humanité a besoin de le comprendre, doit prendre conscience de beaucoup de choses. Nous n'avons pas réussi à gérer les virus simples de cette planète. Ces paquets d'énergie n'ont aucune dimension physique. C'est pourquoi nous les appelons acides aminés. Beaucoup d'entre vous comprennent cela parce que ce n'est pas une théorie pour eux. Vous mettez l'orange et vous transférez l'énergie de l'orange et le goût de l'orange dans une tasse. Il n'y a aucun besoin de physicalité de l'orange. Mais quand vous buvez de l'eau, vous avez le goût. Cela signifie que c'est le transfert d'énergie. Cela signifie confirmation à travers la structure du plasma. La confirmation peut être l'hydrogène à travers l'acide aminé de l'orange, identique à l'hydrogène dans l'eau de la tasse, selon le mélange de Gans que vous avez introduit. C'est important. L'homme doit commencer à regarder dans cette direction. Quand nous avons été touchés par les virus sur cette planète, nous avons le VIH, Ebola. Vous avez des gens qui ont paniqué, nous n'avions aucune solution pour cela. Lors d'une maladie infectieuse par les bactéries ou autres, nous avons immédiatement des médications. Nous faisons quelque chose avec les virus, le médecin ne peut rien faire. Nous voyons mieux ce qui se passe maintenant en comprenant ces paquets d'énergie qui se sont introduits dans la structure du corps ou ce que nous appelons l'état Gans du corps de l'homme. L'homme dans l'espace sera confronté à ces types de paquets énergétiques plus que tout le reste. Parce qu'en voyageant avec des vitesses les plus élevées de l'univers dans les vaisseaux spatiaux, l'homme sera de plus en plus touché par ses propres interactions
avec les forces différentes de l'univers. Comme la Terre, en interaction avec le Soleil, crée différentes lumières qui créeront différents paquets d'énergie, dont certains pourraient être dans la force de l'acide aminé, du plasma, de l'âme, de l'homme. Alors, que faisons-nous? Comment pouvons-nous gérer les virus ou les paquets d'énergie? Comment arrivons-nous à mieux les comprendre? Comment les évaluons-nous? Concernant les virus, le monde de la science perçoit une menace. Pour le monde scientifique de la Fondation Keshe, les virus ne sont qu'une dimension de plasma dynamique. Ce ne sont que des paquets d'énergie ayant une structure que nous appelons CO2. C'est identique pour un plasma ou un virus. Ils ont une capacité de résistance. Nous devons la découvrir. Nous pouvons mesurer sa force. Nous développons des technologies, des systèmes qui fonctionnent à l'opposé du gravitationnel et du magnétique pour drainer, pour réduire la force. Un des facteurs de la force est l'hydrogène et les acides aminés, KOHN. Donc là, vous avez un beau schéma qui est... Vous m'entendez? Oui, oui. Tu veux le commenter, le ouais. schéma ou... oui. Donc, il y a... Oui, oui, parce que j'avais une connexion qui s'arrêtait là. Voilà, c'est bon. Donc, c'est à voir et puis à comprendre, parce qu'on les connaît un peu, tous ces schémas, en fait. Hein, mais bon, là, d'accord. Il y a surtout ce drainage d'énergie qu'on perçoit bien, en fait. Hein. Voilà. Tu peux passer à l'autre. Voilà, merci. Nous pouvons effacer tous les virus. La beauté de la technologie plasma que nous avons développée est conçue directement pour les virus. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons évoqué toute la technologie du plasma par les GANS. C'est un outil pour une technologie spatiale. Appliquée. Le monde de la médecine et surtout les chercheurs de connaissances qui sont dans ce domaine commencent à travailler sur ce modèle. En comprenant ceci, il ne devrait y avoir aucun problème pour n'importe quel d'entre vous, pour traiter tout type d'infection virale. Nous devons trouver la façon dont ces virus voyagent. Nous devons trouver leur force gravitationnelle magnétique dans le corps de l'homme. Quand vous avez des virus qui s'attachent à l'un des acides aminés, alors vous pouvez employer tous les GANS qui sont actuellement dans cette position. Certains virus ont une force différente. Nous devons examiner les éléments de l'univers et non les éléments de la planète pour comprendre leur force. L'homme n'a vu qu'une force d'action du champ magnétique gravitationnel. Maintenant, nous savons combien d'éléments il y a sur le tableau périodique. Multipliez-les par millions. Il y a juste besoin d'une condition pour qu'il se manifeste dans son état. Cela est dû au lien avec l'acide aminé. Une âme acide aminée, KOHN, voulant se manifester sur cette planète, entre dans une autre dimension. Si vous voulez vous manifester sur cette planète et que la structure ne vous y permet pas, cette force pourrait être un virus pour votre âme et dans la manifestation de la dimension physique. Vous accédez à votre âme à travers votre corps et lui transmettez les virus. Ce qui signifie qu'il change les caractéristiques, l'énergie de tant de façons. Prenons d'une manière facile de comprendre. Nous voyons un corps où le virus n'a pas réussi à se manifester dans la physicalité. La dimension de l'âme a une énergie et une dimension. Alors nous pouvons le gérer, nous pouvons le comprendre, puis nous pouvons créer un autre système qui lui corresponde, qu'il peut drainer, qui passe le niveau auquel il s'est attaché. Dans le monde actuel de la science, le plus grand dilemme sont les virus,
c'est tellement grave parce qu'ils sont ignorés. Les médecins n'ont aucune solution quand vous entrez dans une infection virale. Ils vous disent « Désolé, c'est un virus, je n'ai pas de médicament pour vous, attendez qu'il sorte de votre corps ou qu'il passe son cycle. » Cela signifie que vous devez attendre que le niveau d'énergie soit dépensé sur le reste des cellules du corps de l'homme pour sa propre division en s'ajoutant aux autres. Cela ne signifie pas que cette énergie a disparu. Cela signifie que cette énergie se propage en dormant et une autre énergie proche remonte, se montre à nouveau parce que maintenant, elle a absorbé plus d'énergie pour elle-même. Ils se multiplient différemment en pack énergétique, mais existent toujours parce qu'il a ce lien avec l'acide aminé ou avec le sel ou quelque chose qui reste à ce niveau. Nous l'avons vu avec Ebola qui a frappé l'Afrique. Il y a quelques années, nous avions des scientifiques au Sierra Leone dans nos panels. Quand nous leur avons donné la clé pour vaincre le virus Ebola, ils ont immédiatement mis en place le système qu'on leur a dit. Le virus est mort instantanément. Les humains en Sierra Leone, en quelques minutes, se remettaient. Parce que ce que nous avons introduit dans le corps d'une autre sphère que nous appelons GANS, nous avons drainé l'énergie. Les scientifiques, ils étaient fiers d'avoir trouvé la solution pour Ebola. Ils ont informé en tant que scientifiques l'université, le gouvernement. Ils sont allés au palais présidentiel avec ce système. Que s'est-il passé? Le personnel de santé de l'OMS, étant présent en Amérique, a dit que cela ne peut pas être prouvé. Les Africains ne sont pas assez intelligents pour trouver un traitement ou un processus ou autre pour une telle maladie. Cela dépasse la compréhension. Un scientifique a compris la technologie et l'a emporté en Amérique. 3 mois plus tard, il a publié un document exactement sur la découverte scientifique en Sierra Leone sous l'instruction que la Fondation Keshe développe. Les scientifiques n'ont rien dit, car on leur a dit « Si vous le faites, vous perdez votre poste à l'université, ce sera fini. » Mais l'université a commencé à produire pour aider la nation, car c'était si facile. Ils pouvaient reproduire le concept. Le processus était compris. Lors d'une conférence et présentation du Conseil universel de mardi, quand ils commencent à parler du paludisme, de la typhoïde et de tout type de virus, je leur ai expliqué. Maintenant, nous avons la connaissance, mais vous ne pouvez détailler les matériaux utilisés parce que nous ne sommes pas médecins, mais nous pouvons ouvrir cette connaissance. Il existe un processus qui peut être fait. L'enseignement d'aujourd'hui est que nous ouvrons un certain nombre de niveaux à ce sujet, comme la position de VIH qui peut être traitée aujourd'hui avec une nouvelle connaissance. Cela a été testé, certains résultats sont très positifs, nous comprenons maintenant comment fonctionnent les virus. Maintenant, l'une des plus grandes menaces pour la race humaine, c'est l'herpès, qui est devenu un virus. Nous n'avons jamais trouvé de solution car le pack énergétique peut survivre dans les couches moyennes de la peau et généralement dans la couche interne ou parfois à travers un tunnel de la couche externe vers la couche interne. C'est un virus qui a besoin d'une protection de champ magnétique. Regardez comment cela fonctionne. Si ceci est la couche supérieure et ceci est la couche inférieure, comme nous le savons, les couches de la peau seront composées de couches de GANS. Maintenant, ce virus voyage dans un champ magnétique de la couche intermédiaire. Nombreux scientifiques travaillent sur l'herpès, ont cette connaissance. J'ai décidé d'ouvrir un nouveau chapitre sur la science de l'herpès, une nouvelle connaissance. Une nouvelle compréhension qui sera publiée sur le journal de la Fondation Keshe, côté scientifique, et deviendra la base scientifique pour l'avenir de la Fondation Keshe. Je vais publier des détails parce que ce sera un article scientifique. Vous pouvez donner les ratios de ce que vous avez réalisé. Je l'ai demandé à l'équipe de la Fondation Keshe et les nouveaux scientifiques que nous avons fait venir pourront aider
à la publication de ces articles dans ce mois prochain ou dans un numéro de novembre. Comprenez à quel point l'air presse est mauvais statistiquement, choquant même. Dans le monde entier, nous avons deux types d'herpès. 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans sont porteurs du virus de l'herpès HSV-1, soit 67% de la population mondiale. Cela apparaît habituellement autour de vos lèvres. On estime qu'il y a 417 millions de la population âgée de 15 à 49 ans, soit 11% de la population mondiale, qui souffre du HSV-2, qui est généralement génétique et apparaît dans le corps d'une manière assez étrange. Un grand nombre d'Américains, plus de 50 millions de personnes aux États-Unis, ont l'herpès génital. Alors que c'est une nation les plus propres, les plus avancées du monde, elle souffre massivement à ce sujet. 85% d'entre eux ne sont pas au courant. Statistiquement, 42 millions d'Américains ne sont pas au courant qu'ils ont l'herpès génital. Donc, nous y voyons une menace. C'est la raison pour laquelle nous voyons de plus en plus dans les documents de recherche qu'en raison de la structure de l'herpès, 85% selon certains travaux de recherche, l'herpès mène à l'Alzheimer après l'âge de 65 ans. J'ai les papiers scientifiques. Nous pouvons constater qu'il s'agit d'un des virus les plus répandus parmi nous et le monde de la médecine a littéralement renoncé. Mais avec ce que nous allons publier aujourd'hui, le monde scientifique va comprendre à quel point les nouvelles connaissances en technologie de la Fondation Keshe peuvent changer beaucoup de vies. L'herpès peut maintenant être traité, il est réversible. En tant qu'article scientifique, je vais expliquer la façon dont les processus peuvent être définis, je ne dicterai aucun chiffre et je vais expliquer le principe derrière la manière dont l'herpès se verrouille au corps de l'homme. Donc ça, je ne pourrais même pas vous l'expliquer parce que c'est quand même très technique. Mais enfin bon, je l'ai mis parce que ça pourrait aider quand même certaines personnes. Voilà. Donc il y a un autre schéma encore avec les groupes d'âge. Voilà. Maintenant, l'explication et le processus de l'herpès sont pleinement compris pour la première fois. Nous expliquons comment il apparaît. Le monde de la science ne l'a jamais compris. Une partie pourrait être comprise, mais dans l'ensemble, nous n'avons jamais compris comment l'herpès entre dans notre système. Cela concerne une personne sur deux ou trois sur cette planète. Cela mène à la maladie d'Alzheimer, à la mort prématurée. Voilà tous les chiffres. Là, c'est assez éloquent quand même. Surtout là, en Afrique, 54 millions. Oui. Est-ce que cela cause d'autres maladies, d'autres conditions ? Statistiquement, nous voyons ce problème dans tous les pays. Cela fait partie de notre structure. C'est quelque chose que nous n'avions jamais su. Nous n'avons jamais su que le virus était des paquets d'énergie. Mais ils ont un lien de force avec l'ADN qui peut entrer dans le corps de l'homme. Laissez-moi vous expliquer cette nouvelle connaissance dans le monde de la science. Cela ouvrira de nombreuses recherches dans le futur. La Fondation Keshe a commencé à interagir avec le monde de la médecine d'une manière différente et de manière très rapide. Comme nous le voyons, de nombreux scientifiques dans le monde écoutent et prennent note dans la manière dont nous avons apporté d'autres choses dans ce processus. Maintenant, nous connaissons un virus, peu importe lequel, nous l'appelons pack d'énergie, attaché à un acide aminé. Dans ce processus, une fois qu'il trouve le paquet d'énergie, avec la structure d'énergie, parce qu'il a l'ADN, il peut se contrôler, il peut muter pour absorber plus. C'est en soi une chose vivante. C'est comme si nous cherchions de la nourriture pour survivre. Il cherche l'énergie qu'il peut prendre. Donc, il s'attache à monsieur C-O-H-N. Disons qu'il se lie à l'oxygène,
parce que c'est le champ gravitationnel de celui-ci, ou au plus faible, l'hydrogène. Nous voyons donc maintenant qu'il a besoin de cette connexion. Il trouve cette connexion. Mais comment il entre dans le corps de l'homme? Il faut un point faible. Il a besoin d'une porte d'entrée. Il s'agit de la lèvre de l'homme. Nous voyons habituellement l'herpès dans ces régions autour de la bouche. Pourquoi? À ce stade, ce n'est pas ce que vous voyez, ce que vous imaginez. Quelle est la réalité? C'est un espace vide, avec la peau externe et la peau interne, puis la zone respiratoire et la zone alimentation. Deux structures différentes. Que se passe-t-il? Il y a un point faible dans la structure. C'est comme une chaîne tissée. C'est comme dans vos nanocouches. C'est un espace ouvert. C'est comme coudre du cuir sur un coton. Ce sont deux matériaux différents. Vous ne pouvez les assembler, les faire fusionner. Ce sont deux structures différentes. Que se passe-t-il? Cette énergie a ses propres caractéristiques, comme nous l'avons dit. Dans les remontant il y a 3-4 ans. Chaque peau a trois couches. Quand vous regardez cette structure, ces trois couches, de celui-ci, 1, 2, 3. Quand vous regardez celui-là, c'est la même chose. Il comporte trois couches et les deux couches inférieures sont en quelque sorte liées. Mais les trois couches intermédiaires ont la même teneur en sel parce qu'elles transportent le sang dans le niveau d'équilibre de celui-ci. Vous comprendrez plus tard, ils ont un espace vide. Qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, ils permettent le lien, le virus entre cet espace. Maintenant, il a un endroit où vivre. Pourquoi on le voit habituellement dans les coins? C'est parce que c'est là que l'espace est fixé à un point qui s'ouvre, se rapproche au point de flexibilité. C'est un point où il peut entrer et quand il entre, il trouve un nid dans la couche intermédiaire et il y reste. Maintenant, nous voyons l'existence et la raison de ce paquet d'énergie qui est égal au paquet énergétique de l'acide aminé des deux niveaux de l'intérieur et de l'extérieur qui devient un terrain de nidification pour le virus. Parce que n'oubliez pas, il y a six couches maintenant, ce n'est pas trois couches. Vous avez trois couches du tube intérieur dans cette position. Il y a un espace parce que l'intensité du champ correspond à l'intensité du champ du virus. Dans cette position, assis au milieu, la teneur en sel. Il affecte la couche de la lèvre intérieure fluide. Vous transportez beaucoup de fluide. C'est en constante évolution. Que se passe-t-il? Le changement du sel en raison de l'énergie crée des ampoules par les brûlures du sel, puis d'autres infections s'installent en raison du niveau d'énergie et vous avez tout ce que nous appelons le virus de l'herpès. Si nous avons compris cela, nous passons à la prochaine étape. Pourquoi voyons-nous l'herpès d'une certaine force apparaître seulement à la bouche? Mais l'herpès se déplace. La condition ici est une acidité différente avec tous les enzymes et tout le reste dans la bouche. Il doit muter pour devenir plus fort. Il doit survivre à cette position. Vous avez une coupure dans la partie interne. Il va dans la forme de ces trois couches de la peau. Maintenant, il devient plus fort et devient ce que nous appelons numéro 2, parce qu'il doit gérer le liquide à l'intérieur du corps de l'homme, qui est un composite avec la peau un peu différente. Mais il y a un gros problème avec l'ensemble. Regardez la peau de l'homme faisant partie du cerveau de l'homme. Le virus a pénétré maintenant dans la peau moyenne. Il voyage immédiatement dans le cerveau de l'homme par cette couche moyenne, mais en même temps, l'autre côté de la peau, de la lèvre intérieure, est connecté à une dimension et un fonctionnement différent. Alors, que s'est-il passé?
Le virus, à travers les couches moyennes de la peau, pénètre dans le cerveau. Car il est fait de la même chose, c'est la même transformation. Et quand il se déplace dans le cerveau, la force du virus fait partie de la mémoire de l'homme. C'est pourquoi nous l'appelons Alzheimer, dû à l'herpès, qui est un brouilleur de fréquences. Cet herpès a une capacité de force parce qu'il est venu par la section centrale à travers la membrane médiane du corps de l'homme. Il a une force qui correspond à la force de la partie mémorielle qui produit puis produit ce que nous appelons Alzheimer. Ce virus a une force. En vieillissant, notre fonction cérébrale change. Et sous une force donnée, il y a blocage total. Vous envoyez un message et il se bloque. Voilà ce que cela fait. Maintenant, nous comprenons l'ensemble du processus de la maladie d'Alzheimer par l'herpès. Il m'a fallu près de 25 ans de recherche dans ce domaine. C'est l'un des plus grands dilemmes dans le monde scientifique. Ce sont les documents de recherche que j'ai apportés avec moi de Belgique. Je ne pouvais comprendre pourquoi cette maladie ne pouvait être résolue. Nous pouvons mieux comprendre comment cette recherche aboutira. C'est un système dynamique plus fort qui a gagné de l'énergie par la façon d'entrer dans la bouche, puis se déplace par les couches moyennes de la peau au cerveau de l'homme. Maintenant, le jeu change. C'est très intéressant, car par le même processus que la peau de la bouche, c'est l'intestin. Comprenez maintenant que vous avez les trois couches qui aident à faciliter les mouvements le long de la couche médiane de l'estomac, de l'intestin, du gros intestin. Comprenez maintenant que vous avez les trois couches qui aident à faciliter les mouvements le long de la couche médiane de l'estomac, de l'intestin, du gros intestin. Puis où va-t-il? À un autre point qui comporte encore deux phases dynamiques dans les organes internes. Et c'est la même histoire que la peau. Par l'anus, c'est ainsi que l'herpès se déplace de la bouche directement dans les organes génitaux, organes de reproduction féminin-masculin. Regardez-le à nouveau. L'interface du pénis est remise en service. Vous avez la même disposition. Vous changez le tube pour aller dans l'interface à l'intérieur. Ainsi, nous voyons que l'herpès fait la même chose avec les organes génitaux. Nous pourrions ne pas le voir dans la bouche. La partie intéressante de l'histoire est le corps de l'homme qui porte la structure osseuse. Et elle peut le faire sortir par la moelle osseuse. Ceci est votre bassin, votre tête et le reste de vos pièces. Cela vous rappelle quoi? Ce que vous avez fait dans la technologie spatiale. Souvenez-vous de la coupe et de l'orange transférant l'énergie de l'orange dans l'eau de la tasse. Maintenant, regardez. C'est quoi la coupe? La coupe est le bassin. Jusqu'à présent, les médecins ont essayé de faire le tri. Le problème de l'herpès 2, comme ils l'appellent, avec les crèmes et tout le reste, il se déplace et il ne peut se résoudre. Avec la nouvelle étude qui a été publiée récemment, nous comprenons, et cela soutient ce que nous avons expliqué il y a des années, que maintenant, le bassin de l'homme devient la coupe. Le virus que nous appelons herpès se trouve dans la hanche de l'homme, c'est pourquoi les médecins ne pouvaient pas le résoudre. Il continue à faire des choses, mais il revient, car dans l'énergie de la coupe atteint un seuil, l'énergie est relâchée dans les mêmes couches. Voilà pourquoi la maladie flambe. Nous comprenons maintenant l'ensemble du processus complet de l'herpès 1 ou 2. C'est la même chose, c'est juste dans une force différente. Nous comprenons une partie de la maladie d'Alzheimer, comment le chemin accède aux parties génitales. Comment pouvons-nous le faire? Nous avons deux types différents, le plus fort et le plus faible. Le plus fort voyage à travers la région de l'intestin parce qu'il y a trop d'acide et passe à travers tout le reste.
Mais il y a un nouveau point sur lequel le monde de la science n'a pas compris. Les médecins n'ont pas cherché les différents endroits où l'herpès apparaît, soit en interne, soit au point de changement. C'est la même chose pour les lèvres, la peau, l'œsophage et l'estomac. Nous devrions maintenant chercher des signes de présence de l'herpès dans l'ouverture de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin. Cela change le jeu. L'herpès est la nouvelle compréhension de la technologie du plasma qui devrait pouvoir être gérée, pouvoir être réversible. Vous devez avoir compris ce que j'ai expliqué sur le cancer. Les articles scientifiques que nous publions sont très précis. Les données scientifiques publiées doivent être acceptées telles quelles, sans examen par les pairs. C'est ainsi que nous donnons une force à la Fondation Keshe par les articles scientifiques du site web révélant les connaissances les plus avancées pour que les médecins puissent travailler avec elles. Je ferai de ce journal l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses. Chacun aura son mot à dire sur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pour l'avenir. Pour la première fois, nous comprenons l'ensemble du processus sur l'herpès, de la tête aux pieds. Pourquoi voit-on l'herpès sur certains points du bras ou de la jambe? Retournez voir la structure de l'endroit où il y a un perforateur dans la vie. Cela aurait pu causer un dommage à la peau à ce moment-là, ou encore la répétition des deux lèvres, la faiblesse de la couche intermédiaire apparaît et se manifeste. Il faut juste que l'énergie de l'herpès soit transférée, se renverse avec la nouvelle connaissance de la technologie du plasma. Rappelez-vous des patchs quand nous avons parlé de votre état de santé, lorsque vous avez eu un cancer ou un morceau de métal dans le corps. Vous vouliez l'enlever, vous avez créé un rapport de 4 à 1 ou de 20 à 1 par la création des champs. Maintenant, c'est très simple. Prenez l'extrait de l'herpès quand il s'enflamme et créez le gans. Placez-le dans le même ratio. Cela ne devrait pas prendre plus de quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir drainer le système. Mais n'oubliez pas le bassin pour l'intestin. N'oubliez pas le cerveau en haut. Souvenez-vous de ce que nous avons fait pour épuiser le sel du pied de Naomi. Nous avons pris son urine, nous avons fait un gans, puis un patch. La même chose s'applique ici. Quand vous avez un feu, vous ne le combattez pas avec de l'eau. Vous brûlez autour afin qu'il n'y reste plus rien à brûler. Vous manipulez le virus directement de cette façon, également avec les parties génitales. Vous en retirez l'énergie directement pour éviter l'inflammation. Ce qui n'a pas été compris, c'est que l'herpès se trouve à l'intérieur de l'ensemble de la structure du corps de l'homme et non pas quand il s'enflamme et qu'on le voit. J'ai essayé de publier l'article en version intégrale avec la collaboration de la Fondation Keshe en arrière-plan. 2/3 de la race humaine souffrent d'une chose qui ne doit pas être. Le point essentiel est d'où vient l'herpès. Cela proviendrait du cerveau de l'homme. C'est la libération de l'énergie de l'âme intérieure de l'homme touchant la mémoire invisible du corps de l'homme. C'est pour ça qu'il remonte d'où il vient. C'est pour ça que la partie mémoire est affectée. Comprenez pleinement beaucoup d'entre vous dans le sommeil rêve. Certains des rêves sont beaux et d'autres moins. Si le rêve est la force, cela met en danger votre vie. Si la mémoire est la force, ce qui peut compromettre votre vie et emprisonne la physicalité. C'est ce dont vous ne voulez pas vous souvenir. Donc, vous créez une force de champ dans la balance de la mémoire dont vous ne voulez pas vous souvenir. Mais parce que cela ne s'est pas manifesté, vous ne l'avez pas fait au réveil. Cela fait partie de ce que vous appelez l'opération de l'âme. Le transfert d'énergie apparaît sur l'impossibilité de parler
qui est la lèvre de l'homme. C'est pourquoi, quand vous faites un rêve horrible, vous avez une ampoule sur le côté de la bouche. C'est le début du processus. Nous comprenons maintenant l'ensemble du processus de la création de ce que nous appelons l'herpès. Cela provient de cette structure interne. C'est pourquoi cela remonte à l'origine. C'est pourquoi il n'y a pas de mémoire. Il veut que vous vous souveniez de cette chose horrible ou pas. C'est ce qu'on appelle une température de rêve. Vous obtenez une ampoule. Mais maintenant, nous comprenons l'ensemble du processus de l'herpès. Peu importe l'endroit où vous êtes dans l'univers ou sur cette planète, vous l'obtenez parce que votre âme est le créateur. Mais il n'a pas trouvé la physique au moment où vous êtes votre âme. Vous le voyez avec l'œil de l'âme de l'homme. Vous avez un endroit où vous pas là pour mémoriser la partie énergie du sentiment. Vous ne pouviez parler. Voilà, la bouche est l'endroit du langage. C'est là que l'énergie sera transférée. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans le problème père-fils et le cancer de la prostate. C'est le même processus et c'est prouvé dans le monde scientifique. Mais cette fois, l'herpès est une condition créée par l'âme de l'homme sans l'interaction de la physicalité, sachant où aller. Je tiens à vous rappeler que cela ne vous arrive pas, cela remonte à l'origine. Maintenant, nous comprenons pourquoi l'herpès endommage ou interagit du côté de la mémoire, parce que vous voulez oublier ce point horrible. Souvenez-vous du papier que j'ai publié sur la SLA, un désir de mort qui se réalise souvent directement de l'âme de l'homme. La SLA est un souhait à travers l'âme de la physicalité que la physicalité ne peut manipuler. Résiliation du contrat. Maintenant, nous comprenons le processus complet. Nous comprenons que même l'herpès n'est pas de l'extérieur. C'est la création de notre propre âme. Et comme maintenant, nous comprenons le processus de la création, dans le processus de travail du plasma, que notre corps est un conteneur de gans et comment les médecins ont géré différemment différentes conditions avec le transfert d'énergie. Nous avons besoin de l'herpès pour gérer l'herpès lui-même. Si vous avez une masse de calcium dans votre corps, vous avez besoin de calcium d'une force différente pour pouvoir le déplacer. Le docteur Rodrigo nous l'a montré ainsi que d'autres docteurs en sciences. L'herpès va devenir le même maintenant. Par la compréhension de cette connaissance, aucun virus ne devrait être en danger pour l'homme, même dans l'espace. J'ai développé cette technologie pour que l'homme puisse être en sécurité dans l'espace. Vous devez comprendre le travail des virus ou ce qu'on appelle des paquets d'énergie sans physicalité pour qu'ils puissent vous sauver la vie dans l'espace. L'univers est rempli d'herpès, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8 millions. Une fois qu'on sait marcher, on peut sauter, danser, faire tout ce que l'on veut. Maintenant, je vous ai appris à marcher. Les deux tiers de la population mondiale en souffrent. Nous n'avons jamais su comment il vient. Maintenant, nous savons ce que c'est de notre création. La façon dont nous le créons à travers nos âmes, la structure et les muscles de notre cœur, de nos poumons, de notre intestin. Maintenant, nous comprenons que l'herpès est une condition de l'âme de l'homme dans un état si grand qui libère un gros paquet de l'énergie de l'âme de l'homme dans une condition d'interaction avec d'autres âmes qui ne peut pas trouver une position physique. Mais entre les deux fossés, le sel est si précis qu'il y trouve
son chemin. Et si vous portez la même émotion, que vous embrassez une autre personne sur le même espace, entre la peau et la lèvre, ce que nous appelons la chambre à air, vous allez transférer dans une couche intermédiaire. C'est obtenu parce que vous avez une copie de l'ADN, herpès, sous n'importe quelle forme que ce soit, l'herpès de l'univers ou de la planète Zeus. Maintenant, vous pouvez le gérer. De nombreux scientifiques des autorités sanitaires mondiales ont cherché une solution à ce problème. Maintenant, la solution est là. C'est un cadeau pour l'humanité que ceux qui comprennent l'appliquent et l'herpès deviendra une histoire du passé. C'est la mémoire de l'âme de l'humanité sur la physicalité de l'homme. La façon dont on choisit les cheveux, la façon dont l'âme choisit la couleur de son œil, l'âme en interaction dans le temps de la vie de l'homme fait la même chose. Nous avons vu son transport à travers le corps de l'âme. Nous avons vu la façon dont il entre. Nous avons vu comment l'herpès se propage en tant que virus dans le corps de l'homme aux intersections de changements et de mutations pour pouvoir se déplacer à travers les couches supérieures, intermédiaires, inférieures, se liant et traversant la peau au fur et à mesure de la bouche à l'anus. Ce que nous voyons maintenant dans le processus de compréhension, tous les virus de la création peuvent être traités, qu'il s'agisse du sida, du VIH, d'Ebola, que ce soit de n'importe quoi. Nous comprenons que ce sont des paquets de mémoire d'énergie pour muter, vivre, grossir, collecter plus d'énergie. Une fois qu'ils atteignent un niveau, ils vont vers une nouvelle position. Chaque type de maladie, chaque pack d'énergie ou virus est réversible. C'est un processus. C'est pourquoi dans la fondation, nous ne l'appelons pas traitement ou cure, ou peu importe, parce que c'est un processus. Maintenant, nous comprenons le processus. Nous comprenons le processus de sa création, le processus de son transfert. Nous comprenons comment nous pouvons équilibrer le processus du corps de l'homme une fois que vous l'épuisez de son énergie. Il part. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en un jour ou deux. Le corps de l'homme est dynamique. Il mute. Vous devez avoir de la persévérance. Vous devez le comprendre. Vous devez être capable de développer une nouvelle manière de développer le virus parce que maintenant, il peut muter. Vous devez être capable de muter avec cela. La seule façon dont vous pouvez muter avec, si cela se Christiane, on ne t'entend plus. Christiane? Vous m'entendez plus? Ah, oui. On ah oui. Plus, ah c'est vrai, je vois que. Oui. Tu c'est m'entends? Bon. Non, maintenant c'est bon. Oh. Oui. C'est bon là? Oups, ça y est, oui. Oh, c'est donc, bon. Oui, pour moi. Est-ce que vous m'entendez là? Donc là c'est bon, mais tu peux démarrer au début de la page alors. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que, voilà. Donc, vous récupérez son liquide, vous prenez de la peau intérieure, vous faites un ganse et vous utilisez contre lui-même pour transférer son énergie hors du corps de l'homme. La race humaine a une réponse pour tous les virus qui menaçaient l'homme, que ce soit la grippe ou un autre virus ou le sida. Le VIH et le reste. Rien n'a mis la vie de l'homme autant en danger que l'herpès. Maintenant, nous savons, nous comprenons et nous pouvons ajouter à la science de l'homme, par le biais de la Fondation, des chercheurs de connaissances, des médecins, et peu importe, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, oui, ont été touchés. Je suis sûre que beaucoup nos auditeurs informés, conscients ou pas conscients, ont cette condition. Maintenant,
Vous pouvez vous aider. Je vais essayer de publier un article à ce sujet. L'équipe, en arrière-plan, fait la transcription de l'enseignement dans le cadre du document scientifique à soumettre. Je demande au transcripteur en arrière-plan de transcrire cette question le plus rapidement possible et de l'envoyer au master pour la publication de ce mois-ci. Si nous pouvons prendre à l'homme cette douleur de vie, notre but d'être ici est servi. Cela fait partie du processus que nous avons, être prêt pour l'espace. Si nous ne pouvons pas gérer un si petit virus avec une telle faiblesse, ayant causé des ravages dans la race humaine à partir du moment où le premier homme a eu un rêve horrible à travers l'âme qui n'avait pas de dimension physique, alors nous comprenons la graine. Je l'ai mentionné deux ou trois fois dans les enseignements du mardi. J'ai honte d'être dans le corps de l'homme. J'ai reçu des plaintes. Pourquoi dites-vous cela? Parce que le corps de l'âme souffre trop. Nous venons et vivons pour profiter de la vie. Nous ne venons pas pour souffrir. Il est honteux de souffrir par l'acte du peuple, sans parler de l'environnement du corps de l'homme. C'est dommage de souffrir. Pourquoi? Vivre, exister doit être un plaisir à chaque instant, même au point de transition d'une dimension à une autre. Nous devrions célébrer la vie et ne pas souffrir de la vie. Les virus ont fait partie de nos vies. Maintenant, nous savons comment le gérer. Maintenant, nous savons comment permettre à notre corps de passer à travers l'émotion et de l'inverser. Nous comprenons le processus de A à Z pour la première fois dans la création de l'homme. Chacun d'entre vous, des millions d'auditeurs autour de la Fondation Keshe, dans le monde entier, vous pouvez faire, vous pouvez écouter. Je sais, beaucoup d'entre vous connaissent la Fondation Keshe. Cela a atteint des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup de gens agissent en conséquence. Ils l'utilisent et je sais que nous atteignons beaucoup d'endroits que je ne pourrais jamais imaginer. En marchant dans les rues de Chine, en Pékin, en Italie, en France, partout ailleurs, on me demande « Êtes-vous Monsieur Keshe ?» Donc, je dois être bien connue, reconnue. Les gens écoutent, ils trouvent leur solution. Les adeptes de la Fondation devraient être reconnus par leur âme. Enseignez-le. Si vous vivez dans le voisinage de 100 personnes, vous devriez comprendre que 67 d'entre eux en souffrent. Si vous vivez en Amérique, vous devez savoir que plus de 800 000 personnes par an sont touchées par cette maladie, soit 2000 personnes par jour. Cela fait 100 personnes toutes les 2 heures et près de 2 personnes par seconde dans un seul pays. Nous avons maintenant une solution. Testez-la et ajoutez-la à mon article comme témoignage. Mais comprenez ce que vous faites. La prochaine fois que vous avez cette ébullition sur votre visage et que l'on vous dit que vous avez un herpès, prenez-en des morceaux. Prenez tout le liquide qui en provient. Faites un ganse. Ajoutez-le au CO2 et au ZNO, comme vous faites dans votre boîte. Parce qu'il y a une interaction de la physicalité à la connexion électrique du cerveau. Et il vient de la partie émotionnelle du cerveau de l'homme. Il n'y a pas de muscles dans le cerveau. Ensuite, vous en comprenez l'efficacité. Si vous êtes partisan de la Fondation Keshe, commencez à reconnaître que vous avez souffert, puis les autres comprendront comment le faire et comment ils peuvent l'enseigner librement. Nous ferons notre première publication dans les prochains jours et nous publierons le deuxième document dans le journal de la Fondation. C'est un cadeau à l'humanité. Je pourrais en tirer des millions de dollars, mais encore une fois, comme il est dans la Fondation, la connaissance est gratuite. Comprenez, apprenez et enseignez-le comme je vous l'apprends, comme les autres aspects de la technologie. Les personnes qui veulent publier sur le paludisme et d'autres maladies, je vous soutiens, mais faites-le comme article scientifique. Nous avons fait beaucoup de recherches à ce sujet. Nous y ajoutons un document collectif.
Cela doit être fait de manière à éradiquer le paludisme. Alex, pouvez-vous nous dire pour votre paludisme il y a un an? Alex, je suis venue au Ghana et j'ai eu le paludisme. J'ai utilisé un gant de magnésium et de zinc et le paludisme est parti. Monsieur Kesh, avez-vous eu d'autres attaques de paludisme depuis que vous êtes venu au Ghana l'année dernière? Avez-vous passé du temps à l'hôpital avec ça? Non. Après avoir pris le traitement, tout va bien. Je n'ai plus jamais eu de paludisme, monsieur Kesh. Vous n'avez pas eu le paludisme depuis qu'il a bu ce qu'ils appellent l'eau de la vie. Alex était à l'hôpital depuis 2 ou 3 semaines avant de venir nous voir, malade au Ghana. Depuis, il n'est plus malade. C'est aussi simple que cela. Il contractait le paludisme une fois toutes les 3 semaines. Alex, exactement. Les médicaments anti-paludisme ne marchaient pas. Ça donne plus de complications que le paludisme. Après avoir pris le gans que vous m'avez donné, tout a disparu et il n'est jamais revenu. Monsieur Kesh, vous n'en avez plus jamais eu. C'est si simple parce que c'est un virus. Nous l'appelons... Merci Alex. Nous appelons le traitement un processus parce que l'on comprend comment ça vient, d'où ça vient et où ça va. Quand vous êtes infecté par la mouche du paludisme, elle vous mord. Elle insère son paquet d'énergie au milieu exactement comme l'herpès. C'est tout ce qu'elle a fait. Maintenant, le virus trouve une nouvelle dimension, trouve le canal pour voler et passer par le cerveau et partout d'ailleurs. Toute maladie qui pénètre dans la couche intermédiaire va retrouver le cerveau et rejoint sa continuité. Car dans le cerveau de l'homme se trouve le point de réplication, comme un battement cardiaque, puis atteint un point de saturation. Quand arrive le point de saturation, vous obtenez une attaque parce qu'une énergie similaire est absorbée. N'oubliez pas la piqûre du moustique, porte l'ADN et l'acide aminé, qui est assez près du corps de l'homme, donc facile de voyager. Tout ce que vous avez à faire est d'inverser le paquet d'énergie. Mais il doit être fait d'une manière que nous comprenons l'ensemble du processus. Lorsque vous buvez une eau de gans, ce n'est pas seulement une eau qui traverse votre corps, c'est la compréhension de l'homme actuel. Lorsque nous buvons de l'eau, nous pensons que l'eau passe à travers nos intestins. C'est tout ce que ça va être. Mais quand vous buvez l'eau de gans, c'est de l'eau et du plasma. C'est un champ d'énergie. Ça couvre votre peau, chaque partie de votre corps créant son propre aura, sa propre nouvelle dimension de champ. C'est incroyable jusqu'où ça va. Dans un test récent agricole en Chine, nous avons vu un résultat étonnant, un champ de 100 mètres en appliquant le gans à cette extrémité. Nous pouvons détecter le pic des champs comme celui-ci, à 50 mètres plus loin et encore à 75 mètres. Nous voyons toujours ce champ. Cela nous a prouvé que les matériaux gans ont une forme sphérique. Si vous l'utilisez ici, cela couvre tout. Ceci parce que nous avons eu l'occasion pendant plus de 4 semaines d'essais pour voir comment ça se passe. C'est cette forme, ce n'est pas comme si vous l'arrosiez. Si vous n'arrosez pas le champ d'à côté, vous obtenez ceci. Donc c'est sur le schéma d'eau au-dessus et c'est le trait rouge. Voilà. Merci. Donc, quand vous arrivez à la nouvelle technologie spatiale, maintenant que nous prenons l'homme, nous devons résoudre tous les problèmes de l'homme et ce que nous appelons l'ARN, sans les packs d'énergie d'ADN. En fait, ils ont un ADN d'eux-mêmes, mais c'est le pack d'énergie qui garde la forme. Il a une mémoire de lui-même en tant que champ. Donc, maintenant, vous avez l'un des points forts. Si vous vous souvenez, si vous regardez, vous comprenez cela très facilement en tant que chercheur de connaissances. Lorsque vous avez un CO2, c'est le même plasma. Vous ne voyez pas deux plasmas différents, deux matériaux différents.
si dans l'état de la matière, vous avez un oxygène et un carbone, vous en voyez deux, vous pouvez les séparer. Dans un plasma, on ne peut pas le séparer. C'est un plasma. Mais nous pouvons porter deux forces, oxygène et carbone. Où oxygène est assis sur cette voie, le carbone est là, le plus faible, de plus faible résistance. Tout est sur la même structure, ou est-ce dans la liaison chimique. Si vous avez compris, cela résoudra le problème des virus dans l'univers comme un jeu d'enfant. Nous devons comprendre la totalité du processus. Question de Ruy. Dans le même processus, pour faire face au virus, pouvez-vous expliquer comment l'argent colloïdal et le chlore agissent sur le virus? Monsieur Kesh, cela ne fonctionne pas avec tous les virus. L'argent est l'affinité d'un dénominateur commun. Il est monoatomique. Il n'est pas un gans. Question de John. Si nous connectons notre âme supérieure ou l'âme de Dieu, pouvons-nous infuser n'importe quel gans ordinaire à un niveau supérieur? Monsieur Kesh, c'est une autre partie de l'enseignement, mais je vais vous répondre. Vous parlez de niveau d'ordre supérieur. Comprenons une nouvelle compréhension de la vie. Nous nous sommes habitués à nous nourrir avec la physicalité de la nourriture, de l'eau, de l'air, et nous nous nourrissons partiellement. Nous fournissons de l'énergie et une force donnée à travers l'âme de la physicalité. Nous nourrissons notre âme. C'est quelque chose que l'homme n'a jamais compris. Nous mangeons de la nourriture par la bouche. Ça va dans notre intestin. Une partie de notre énergie dynamise non seulement la cellule d'ADN ou d'ARN, une partie de celle-ci dynamise l'âme de la cellule et de l'âme de l'homme, si vous la regardez, parce qu'elle est équilibrée. Elle se déplace par l'énergie supérieure et tire pour son ordre inférieur des champs. Partiellement, notre propre âme par conversion. Mais nous avons oublié quelque chose. L'âme elle-même a conduit à la création de la physicalité de l'homme par les énergies collectives de l'âme de l'œuf, du sperme ou le ventre de la mère. Nous avons créé cette âme qui, par l'interaction de ses champs, avec l'interaction de l'environnement, a conduit à la création de la physicalité de l'homme. Ce schéma est très très important, hein. Il faut vraiment se le garder en mémoire parce qu'il a une grande puissance. Hein. Moi-même, j'ai mis un petit peu de temps à l'intégrer, puis maintenant, ça y est, j'ai compris. Mais gardez-le bien en mémoire, ce schéma. Maintenant que vous avez parlé. Comment ? Je dis, tu pourrais peut-être détailler le schéma. Plus rien du tout. Oui, vous voulez que je vous explique ce schéma ? Avec grand plaisir. Christiane ? Coupe là. Vous voulez que je vous explique ce schéma ? Oui. Oh là là. Oui, donc là-haut, vous avez l'âme, et dans le schéma précédent, vous avez vu, finalement, elle redescend par l'intermédiaire du tube digestif, et puis, mais il faut surtout comprendre que c'est l'âme qui va nous nourrir, en fait.
c'est l'âme, par son impulsion, va nourrir le corps physique, le corps physique de l'homme. Et en allant chercher les hautes énergies de l'univers, eh bien, on va pouvoir se nourrir, tout simplement. Donc, on n'aura plus besoin de nourriture physique. C'est bon ? J'entends plus rien. C'est dramatique, là, ce soir. Je vais changer de place. Peut-être que je vais avoir quelque chose de peut-être plus costaud, mais c'est bizarre. Je suis assez... Est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Ok. C'est bon. Maintenant que vous êtes dans l'espace, comment allez-vous nourrir cette âme ? Pour qu'elle existe, elle doit absorber, puisqu'elle a utilisé l'âme de la physicalité pour se nourrir. Maintenant, dans l'espace, elle a besoin d'être nourrie. Comprenez que vous parlez d'une âme supérieure, qu'elle a besoin de puiser dans la plus haute énergie. L'homme doit apprendre à nourrir son âme dans l'espace. Revenez aux enseignements quand je dis « l'homme ne doit rien tuer ». Nous devons retourner en arrière et apprendre comment nourrir nos âmes. À travers l'âme, nous devons nourrir le corps de l'homme. Tu ne tueras pas, il n'y a pas besoin de tuer, de détruire quoi que ce soit. Vous pouvez changer l'âme pour... Christiane, ça ne va pas mieux. Christiane, on ne t'entend plus. Christiane, on ne t'entend plus. Bon, je vais prendre un peu la suite et dès que tu reviens, tu me le dis. Bon, voilà. Donc, à travers l'âme, nous devons nourrir le corps de l'homme. Tu ne tueras pas. Il n'y a pas besoin de tuer, détruire quoi que ce soit. Vous pouvez changer l'âme pour changer la physicalité. C'est tout le but de mon enseignement. Ah, c'est bon ? C'est tout le but de mon enseignement. Nous venons sur cette planète pour enseigner cela à l'homme. Il est temps d'apprendre. C'est étonnant, j'y ai pensé, écrit ce matin. Cela signifie maintenant que l'âme de l'homme est mature pour comprendre la vérité. Si nous le faisons, nous avons la compréhension du travail de l'homme. Christiane, tu es revenue ? Est-ce que vous m'entendez bien là ? C'est bon. C'est bon. Allez, vas-y, tu peux y aller. Alors donc, on te retrouve là sur la communication écrite ce matin. Nous avons l'âme de l'homme qui est elle-même créateur de cette sensue de physicalité. Ainsi, notre âme devient un virus de la planète elle-même. Nous devons apprendre à notre âme, à nourrir notre physicalité et non l'inverse. C'est ce que j'ai essayé d'enseigner et y arrive progressivement. Retourner à mon enseignement, c'est mon message et personne ne le comprend. C'est pourquoi j'enseigne au sujet de l'âme. Le changement d'habitude est difficile. C'est l'âme qui crée sa physicalité et c'est sa responsabilité de trouver une nouvelle façon de le nourrir. Nous devons comprendre cela et retourner dans notre âme. Maintenant, vous êtes éclairés et maintenant vous comprenez où vont mes enseignements. L'homme dans l'espace vit à travers son âme et non sa physicalité. Maintenant, le but de l'enseignement arrive à point. Vous attendez tous que le zinc change l'homme. Le but de l'enseignement est d'apprendre à l'homme à revenir à son âme pour nourrir cette physicalité. Vous appelez cela un ordre supérieur, un niveau supérieur. Il n'y a pas de niveau supérieur, c'est le champ de l'univers. De la force la plus élevée pour nourrir l'homme, pour pouvoir nourrir l'âme de l'homme qui peut nourrir la physicalité de l'homme.
La présence physique de l'homme n'a pas besoin de tuer. C'est beaucoup. Pardon. John, de même, pouvons-nous également élever le gans ? Bien sûr, en comprenant cela, plus vous absorbez le niveau de compréhension, plus haut sera le niveau de l'âme de l'homme. Si vous changez sur la ligne au point de la physicalité, que vous décidez ensuite comment changer ce point de physicalité. John, ma deuxième question a à voir avec cela. Cela peut sembler un peu étrange, mais il y a une raison pour laquelle je me demande s'il est possible que nous ayons créé les champs du vaisseau spatial, que nous ne puissions pas les voir. Où allons-nous, Monsieur Keshe ? La réponse pour vous, c'est que j'ai toujours dit que les gens prendront cette connaissance en fonction de leur intelligence. C'est nous qui devons avoir, qui devons voir la dimension de notre physicalité. Ainsi, le vaisseau spatial de l'homme, de l'âme de l'homme, est-il la physicalité de l'homme ou pouvons-nous l'étendre pour voir au-delà de la physicalité de l'homme ? John, alors peut-être avons-nous déjà créé notre vaisseau spatial ? Keshe, c'est votre âme qui a créé votre physicalité. Si vous avez compris cela, comme je l'ai dit, l'âme de l'homme accepte la condition en fonction du vaisseau spatial de cette planète pour se manifester. Qu'en est-il si nous déplaçons et changeons la position, les conditions de cette planète dans le monde de la science ? Nous l'appelons évolution. Mais cette fois, nous devons permettre à notre âme d'évoluer et que notre physicalité la suive par l'évolution du temps en fonction de la physicalité de l'homme. Et c'est très lourd, très difficile. Une autre question de Benjamin d'Autriche. Si vous avez un virus et que vous ne connaissez pas le domaine particulier et peut-être sa force et que vous n'en avez pas non plus le temps d'en faire un gans, si vous utilisez juste un système dynamique avec les gans de base qui contiennent tout le spectre des champs et vous attendez juste jusqu'à ce que vous correspondiez exactement avec le champ des forces du virus pour que vous puissiez drainer, épuiser son énergie. Monsieur Keshe, très probablement, ils peuvent être faits, mais vous devez vous assurer que vous pouvez les extraire. Nous n'avons pas l'équipement pour le faire en ce moment. Mais d'un autre côté, vous pouvez faire ce que vous faites avec l'orange, si vous comprenez. Alors, vous devez trouver le ratio de transfert. Une fois que vous avez fait la tasse avec le goût de l'orange, et que vous pouvez transférer dans n'importe quel gans, comme l'orange, mais vous avez d'autres choses qui sont autour. Vous pouvez le prendre et le faire, mais qu'en est-il du prochain virus qui n'est pas apparu ? Il est quelque part ailleurs à l'intérieur de vous. Comment vas-tu faire ? Nous devons développer une technologie où on peut comprendre la mesure de l'efficacité des champs de l'acide aminé composite de forces inférieures du corps de l'homme. Question de jeudi. Nous parlions de la possibilité d'interagir avec les virus HSV et la plupart du temps. Il y a un scientifique appelé Raymond Rife-Royal qui a travaillé avec des appareils à lampe plasmatique il y a quelque temps. Ce scientifique, pendant toute sa durée de recherche, a découvert l'interaction de ces champs avec des virus. Il a créé une liste de 30 000 créatures infinitésimales, disons des bactéries ou autres, puis découvert la fréquence qui les affectait. Il a utilisé un microscope qu'il a inventé et qu'il appelait le microscope universel. Il pouvait les voir vivants. C'est comme ça qu'il pouvait continuer ce genre de travail. Bien sûr, le microscope universel a disparu. Aucune trace maintenant. Monsieur Keshe, il a vécu combien de temps ? Je dis, c'est peut-être dans la période de 1900. Ses actes ont été contre lui. Il vient de mourir. Il était très pur. Nous avons la plupart de ses recherches sur Internet et les avons trouvées. C'est comme si quelqu'un du passé nous aide. Donc, nous devons ne pas oublier toutes ces âmes sont toujours là, Monsieur Keshe. Ces données sont-elles disponibles ? Pouvons-nous les répliquer ? Je dis, c'est une création de lampes plasmatiques, je crois, Monsieur Keshe. Mais ces lampes plasmatiques sont-elles disponibles ? Il y en a, je pense, en Angleterre et aux États-Unis. Elles existent
et sont dans un musée, donc nous pouvons les découvrir. Monsieur Keshe, si vous pouvez y entrer et les faire sortir, c'est un autre ajout de la science à ce que nous avons. Nous nous appuyons toujours sur la science des autres. Cela donne un bon départ à la façon dont nous avons maintenant les gants, que nous pouvons diversifier très rapidement. Je dis exactement, et de la façon dynamique. Il utilisait en fait la lumière invisible ou son émanation directe. Nous utilisons ce côté alchimique, nous produisons des gants, mais il travaillait directement avec les champs énergétiques. Monsieur Keshe, oui, vous voyez ce que j'ai expliqué la semaine dernière, comment créer des systèmes dynamiques avec les gants. Vous créez cette lumière invisible par l'interaction des deux champs magnétiques du noyau dynamique. Ce n'est pas juste quelque chose à faire pivoter. Quand vous avez les noyaux dynamiques et avez le corps de l'homme, ces champs interagissent quelque part, ils créent cette lumière. Cela ressemble beaucoup à la Terre et au Soleil, mais on ne le voit pas. Si nous créons un système où nous pouvons voir ces lumières, ces interactions, nous verrons la bande passante lumineuse, ce qui est applicable au Soleil et à la Terre. C'est applicable avec les deux systèmes médicaux publiés par la Fondation Keshe et faits par le Dr Claus. Je dis, Raymond Ralph Royal est décédé en 1971 et il a effectué cette recherche dans les années 30. Nous devrions être en mesure de trouver une partie de ces machines. Monsieur Keshe, je pense que nous avons des plus avancés avec les systèmes GANS. Je dis, bien sûr, mais il travaillait en particulier avec le microscope universel. Il a été fabriqué 6000 pièces. Il pouvait voir ce que nous ne sommes pas en mesure de voir, les virus en direct maintenant, parce que nous devons les tuer, nous, quand nous utilisons une sorte de microscope atomique. Voilà, il était avancé par rapport à notre point de vue. Il pouvait voir le flux. Monsieur Keshe, vous voyez le flux de l'énergie? Eh bien, il pouvait voir les virus émettre de la lumière. Il a dit qu'il était puissant et émettait une lumière rouge ou une lumière rouge et bleue. Monsieur Keshe, laissez-moi juste essayer d'ajouter à la connaissance. Ces virus que nous voyons dans l'espace par la vidéo de l'agence spatiale NASA, cela nous a montré que ces virus n'ont aucune physicalité, mais ont une limite. Ils créent une lumière. Il ressemble beaucoup à une méduse avec une lumière autour d'elle. Nous devons développer un système capable de mesurer avec précision, pouvant répliquer. Pour la première fois, nous avons ces systèmes dynamiques à plasma qui correspondent à ce qu'est la race humaine sur cette planète. Mais en même temps, nous devons créer une condition de l'univers que l'on peut mesurer, on peut les voir, c'est très intéressant. Si vous pouvez le rechercher, sortez-le et nous l'ajoutons dans le papier scientifique, dans le journal. Contactez les Weimasters ou les personnes qui passent sur Wikipédia, cela nous reviendra. C'est une belle connaissance à avoir. Mais encore une fois, nous revenons à un point. Nous devons fabriquer ce microscope universel. J'ai dit, quelqu'un l'a eu, nous devons trouver qui l'a. Monsieur Keshe, peut-être que Rothschild l'a gardé, nous irons leur demander. Le processus est que nous devons être capables de développer une connaissance commune pour être capables de livrer cela. Rick donne un article sur Wikipédia. Sur Royal Rife, il mentionne la technique utilisée avec le microscope et il mentionne que la clinique Mayo a fait un rapport de test dans une revue scientifique en 1932. Il est écrit qu'en plus d'autres petites particules visibles avec le microscope des corps de couleur turquoise, tournent Herbertula, tipi visible dans le filtra à l'aide d'un microscope Rife. Et le médecin de la clinique Mayo a attribué leur détection aux méthodes ingénieuses d'agrandissement très élevées. Il est également mentionné que par la suite, les détails de l'un des microscopes de Rife ainsi que les microscopies obtenues
ont été inclus dans le rapport annuel de 1944 du conseil dirigeant de l'institution Smithsonia. Donc, ceci est documenté quelque part. Le détail des microscopes et certaines images réelles et ainsi de suite. C'est intéressant, et il poursuit en disant qu'il a documenté ce qu'il appelle un oscillateur à taux mortel pour divers organismes pathogènes et qu'il est capable de détruire les organismes en les faisant vibrer à ce taux particulier. Il a fini par mourir aigri par l'échec de ses appareils. Monsieur Keshe, peut-être que maintenant il est temps de l'accepter. Chez moi, le docteur Parvi en ligne, il peut nous éclairer. Docteur Parvi est membre du Conseil de la Terre et c'est l'un des éminents médecins scientifiques du Moyen-Orient. Il est très respecté par son travail. Pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît? Docteur Parvi, absolument, merci pour l'introduction. Oui, je travaille avec la technologie RIFE depuis 2007. C'est la technologie qui est basée sur la fréquence de résonance. RIFE a mesuré la fréquence de certains agents pathogènes et en utilisant des fréquences sonores ou lumineuses. Il était capable de détruire les agents pathogènes sans endommager toute autre cellule autour d'eux. Le fait est que chaque cellule a des certaines vibrations et certaines fréquences. Cela a été utilisé dans l'armée pendant très longtemps aussi. Ils peuvent utiliser certaines fréquences pour désactiver ou démanteler une cible en connaissant ses fréquences de résonance, comme casser un vin de verre à l'aide d'un son très spécifique qui n'endommage aucun autre morceau de verre dans le voisinage. Rife était un génie. Il a mesuré la taille de ces micro-organismes, puis les a détectés dans le processus du cancer, sur les souris de laboratoire, car il était également un bactériologiste. En mesurant la longueur des micro-organismes qu'il détecte sous son microscope, en voyant qu'ils ont causé le cancer, il a découvert la fréquence de résonance et il a été capable de les détruire. En 1934, l'Association médicale américaine a envoyé 16 patients atteints d'un cancer en phase terminale à l'Université de Californie du Sud. Environ 3 mois après, les 16 personnes étaient complètement exemptes de tout signe de cancer. Donc, l'Association médicale américaine a créé un banquet invitant tous ceux qui le connaissent pour célébrer son succès. Le problème a commencé lorsque Rife a refusé de vendre ses inventions à l'Association médicale américaine parce qu'ils ont dit que s'ils voulaient traiter des maladies, les machines devaient être sous leur contrôle. Alors que la machine de Rife n'était pas un dispositif médical, il a dit que c'est comme un système radio dans chaque maison. Vous n'avez pas besoin de le contrôler. C'est le point de désaccord. L'association étant puissante a menacé les médecins qui, s'ils continuaient de travailler avec Rife, ils ne recevraient jamais de nouvelles licences pour leur travail et ne seraient soutenus. Rife s'est retrouvé déchu de ses droits et ils l'ont emmené à la cour plusieurs fois. Quelques années plus tard, quelqu'un a mis le feu à son laboratoire. Ils ont brûlé tous ces documents et les mesures qui avaient été faites. C'était donc très décourageant. Mais l'invention a été maintenue en vie, en quelque sorte, sous terre. Bien sûr, les forces de l'autorité étaient contre parce que c'était une menace pour la communauté médicale, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais certaines personnes l'ont gardé en privé, dans leur propre laboratoire. Ils ont commencé à développer quelque chose de plus. Certains éléments manquent, des informations d'originales, des informations de Rife sont manquantes. Mais nous avons une technologie qui pourrait être proche dans de nombreux cas. Mais nous ne pouvons utiliser ces appareils pour traiter le cancer. Car maintenant, par rapport aux années 1920-1930, il n'y avait pas de produits chimiques par l'industrie contaminant l'environnement. Aujourd'hui, des millions de tonnes toxiques nocifs sont rejetées. Ces produits créent également les conditions physiques du cancer. Ils ne sont pas calculés dans la technologie de Rife. Nous avons aujourd'hui, mais nous faisons de la magie parfois avec cela, comme par exemple le traitement des verrues. Il faut environ 3 à 5 traitements pour éradiquer complètement le virus. Avec l'herpès, il n'y a pas eu ce succès, car des mutations et autres depuis 80 à 90 ans, et les fréquences ne sont pas appareillées
correctement. Mais il faut beaucoup de miracles avec d'autres thérapies. C'est un appareil à fréquence, sur le son ou sur la fréquence lumineuse. Ce n'est pas plasmatique. La lumière plasma est fournie avec un amplificateur supplémentaire appelé MOPA pour améliorer l'effet de la fréquence. Précédemment, nous avions des tiges métalliques sous les pieds et des barres métalliques dans la main pour transférer la fréquence au corps du client. Maintenant, avec MOPA, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à quoi que ce soit. Vous êtes assis sur une chaise confortable. La machine MOPA est vraiment près de vous. La fréquence commence à s'allumer à travers le plasma sur le dessus. Cette lampe est en quelque sorte proche de la lampe à plasma que Raif a utilisée parce que j'ai été regarder ses vidéos. Mais ce n'est pas la même chose. Il a utilisé d'autres technologies. Il a utilisé des piles de plasma avec d'autres éléments impliqués. Raif était un créateur. Il pouvait trouver de nouvelles idées pour contourner l'obstacle qui est l'hiver, l'histoire de sa vie. Monsieur Keshe, ok, pouvons-nous, avec vos connaissances, ajouter les billes de plasma dynamiques que nous avons et passons par le même processus, docteur Parvi. Avec la même machine, je ne pense pas. Vous n'en avez pas besoin, monsieur Keshe. Non, pas la même machine, je parle de la compréhension du processus du système dynamique. Nous pouvons changer leur force en fonction de ce mélangeur que nous mettons en place pour atteindre ce point. Docteur Parvi, parce que le plasma fonctionne d'une manière différente. Monsieur Keshe, nous parlons de plasma, on transfère l'énergie, mais l'énergie à un certain point interagit avec la physique, créant la fréquence. Docteur Parvi, très probablement, ça a fait du sens. À mon avis, il s'agit de comprendre différemment la science et l'appliquer dans la mesure du possible pour une meilleure guérison. Je crois donc en la médecine intégrative. Alors que je suis naturopathe, je travaille avec des appareils quantiques ou des choses comme ça. Je ne dis jamais non aux médicaments qui sont importants. En tant que praticien, tout ce qui peut m'aider à obtenir un meilleur résultat avec moins de problèmes est apprécié. Je regarde cette technologie plasma et la façon dont je la comprends fonctionne avec un niveau différent. Cela change le terrain. La technologie de Raif ne change pas le terrain. Elle cible un point spécifique. C'est une autre méthode. Monsieur Keshe, tout est une question de fréquence, comme vous l'avez dit. Nous parlons de la totalité. Il est allé sur la fréquence de la cellule individuelle. Je comprends cela. Mais comment pouvons-nous introduire cela dans le travail? Cela peut-il devenir bénéfique ou plus rapide? Docteur Parvi, voulez-vous dire quelque chose affilié au travail de Raif ou simplement de cette technologie plasma dont vous parlez? Monsieur Keshe, la technologie plasma associée à Raif, nous ne pouvons pas être le seul sacro-saint. C'est un beau travail fait, comme j'ai dit. Les scientifiques sont les messagers de Dieu sous différentes formes. Si cet homme a fait autant de travail et que nous pouvons en tirer parti et lui donner le crédit, mais comprendre plus à cause de cela, alors nous allons fusionner les deux technologies ensemble et aider l'humanité à ce pourquoi nous sommes ici. Docteur Parvis, j'assume la combinaison de la technologie du plasma avec celle de Raif pour obtenir un meilleur avantage. Corrigez-moi si je me trompe. Je viens de vous dire que, par exemple, dans le cas de l'herpès, ça améliore les choses, mais ça ne peut pas arrêter la réplication du virus. Et cela est très probablement dû à une sorte de mutation qui s'est produite au cours du temps. Mais si l'ARN du virus garde les informations d'origine, combinant très probablement votre technologie plasma avec Raif, va créer une cible plus facile pour la fréquence à zapper. Vous savez ce que je veux dire. Probablement rendre le virus plus original, et voilà. Dès que la fréquence est détectée, alors c'est très efficace. L'élimination très rapide. Monsieur Keshe, oui, mais vous devez trouver cellule par cellule. Mais comme nous le disions, l'herpès se trouve à travers la couche moyenne de la peau de l'homme. Donc maintenant, avec ce que nous avons suggéré, avec les nouveaux systèmes dynamiques, plasma, ou plusieurs patchs, peu importe ce qu'il mute, quand il apparaît, vous le prenez, c'est la mutation finale.
vous pouvez en faire un gans. Alors, il peut se zapper avec lui-même. Docteur Parvi, j'aimerais essayer ça. J'aimerais avoir le soutien de du système médical de la Fondation Keshe pour que nous puissions essayer cela. J'ai des patients pour essayer. Ils sont prêts à essayer de nouvelles choses. Monsieur Keshe, merci beaucoup, Docteur Parvi. C'est ce que l'ouverture de la technologie peut apporter à l'humanité. Chaque homme apporte une partie de la connaissance, ce que j'appelle une symphonie. Beaucoup de personnes doivent jouer que cela sonne bien, puis devenir parfait. Maintenant, nous savons comment utiliser la technologie GANS. Et maintenant, nous comprenons le voyage du virus de l'herpès à travers le corps de l'homme. Nous pouvons changer beaucoup de choses. Autre question. Un de nos scientifiques pose la question qui vient d'une femme agricultrice au Brésil. Elle a un problème, sa terre est devenue résistante aux herbicides, comme le problème du corps humain qui est devenu résistant aux antibiotiques. Les mauvaises herbes ont muté et deviennent immunisées. Les herbicides chimiques n'ont plus aucun effet. Nous le connaissons dans la limitation des thérapies, la mutation d'une autre forme de vie sur les champs verticaux. Les produits chimiques ne les affectent plus. La question est, comment pouvons-nous prévoir un échec, trouver une solution, car certaines des terres ne peuvent plus être cultivées avec la diversité des mauvaises herbes. La terre agricole est devenue inutile. Comment pouvons-nous trouver une technologie dans la Fondation Keshe qui permettrait aux agriculteurs de faire pousser un maïs spécifique ou n'importe quoi, mais ne permettrait pas aux mauvaises herbes de vivre dans cet espace? 10 de ces créatures sont devenues totalement immunisées contre tout herbicide. Elles demandent à la Fondation de trouver une solution, de trouver un moyen pour que les agriculteurs puissent récupérer leurs terres et gagner leur vie. Alors, est-ce qu'un des essais de la Fondation a déjà été manipulé, a déjà manipulé cela? Est-ce que l'un de nos agriculteurs a déjà manipulé à l'aide de la technologie plasma de créer une condition qui permet à une vie de vivre et créer un environnement? Dans le processus d'élaboration de notre technologie, nous ne pouvons pas tuer. C'est une chose que nous avons promise. La seule chose, c'est qu'on peut leur demander, c'est de changer de maison. Voulez-vous déménager ailleurs? Nous vous donnons une maison, mais vous devez déménager. Ou nous aimerions que vous déménagiez, cela nous rendrait heureux, que l'on puisse faire de la nourriture sur la terre et que nous puissions manger pour avoir une vie. Parlons-nous à l'âme des plantes, ou créons-nous une condition qui permet l'existence que d'un seul type de vie et d'autres pas? Nos tests agricoles concernant les animaux vivants ou les parasites montrent que cela pourrait être différent. Docteur Claus, êtes-vous là? Docteur Claus, nous avons eu le cas de coléoptères. Ce sont des petits animaux qui creusent de petits trous dans l'écorce des arbres, puis ils vivent à l'intérieur et se dirigent très intelligemment. Ils deviennent de plus en plus nombreux, en une ou deux semaines ou peut-être moins. Ils aspirent toute l'énergie de l'arbre, ce qui fait que l'arbre n'a aucune chance de survivre. Et c'est pourquoi plusieurs tests ont été effectués pour savoir comment nous pouvons utiliser la technologie plasma. Nous plaçons sur l'arbre les gans par les systèmes de moulins à vent dynamiques. Nous avons observé que les scolites, ce sont les tout petits coléoptères, ont plus ou moins disparu, ainsi que d'autres animaux. Car lorsque nous avons vu disparaître les coccinelles, nous avons également observé que des animaux comme les fourmis et autres petits animaux ont disparu dans cette petite zone autour de cet arbre. Et ça nous a montré que nous ne travaillons qu'avec les champs ici. Donc nous n'avons pas pulvérisé au dos de gans, mais des systèmes dynamiques de roues avant, et nous avons fixé les balles au fond de celles-ci que nous avons remplies de gans. Les scolites ont disparu ainsi que tout le voisinage. C'était un effet secondaire. Bien sûr, nous n'avons pas aimé, car nous avons vu les fourmis s'éloigner de cet arbre et d'autres petits animaux. Nous avons réalisé que nous avons créé un environnement qui n'a pas été aimé par tous les animaux autour de l'arbre. Alors, pouvons-nous faire un système spécifique pour les coléoptères seulement? Mais nous ne voulons pas tuer quoi que ce soit. Nous voulons qu'ils s'en aillent, qu'ils déménagent. Nous ne tuons aucun d'eux. Ils ont réalisé que c'est cet environnement que nous n'aimons pas.
car quand ils arrivent en nombre, cela crée un déséquilibre. Et je pense que nous devons examiner comment trouver un bon équilibre à l'arbre. Que peut-on lui donner ? Monsieur Keshi, il y a une solution. Vous devez atteindre l'âme de l'arbre, en faire un ganse, et vous devez améliorer ce ganse et en nourrir la plante. Quand vous abattez les arbres, vous pouvez atteindre le cœur, le centre et en prélever la substance. Si vous comprenez, vous pouvez l'utiliser comme dans la façon dont nous utilisons l'herpès pour créer le ganse par la transformation de Xian. Vous pouvez le faire avec le centre de l'âme de l'arbre pour renforcer l'arbre qui change ses conditions d'existence de son physique, ce qui permettrait aux animaux de s'en aller. Nous l'avons vu avec l'arbre Kiritri qui a tellement grandi. Nous avons changé l'environnement de l'âme de la plante. Nous avons besoin de la racine d'un ou deux arbres venant d'être coupés et nourrir la plante ou d'autres plantes pour le renforcer avec du CH3. Voyez si l'arbre change, si les blessures sont toujours là. Cela permettra de vous rendre compte que vous avez agi sur la plante ou sur les animaux. Élevez la force intérieure de l'arbre en le comprenant. Question. Et si nous fabriquions les ganses des coléoptères et pulvérisons sur les arbres ? Monsieur Keshi, vous créez une condition de force pour eux. Créez simplement une condition qui ne leur convient pas. Toute la connaissance et le travail de la Fondation, ne pas nuire. Donnez une condition à ce que vous voulez. Devinez où aller percer le centre, au point d'interface entre le sol et l'air. C'est là que vit l'âme de la plante. Vous pouvez le reproduire et le renforcer par l'âme de la forêt. Cela prendra du temps, mais vous pourrez le voir. Dans ce processus, quand nous élevons l'âme de l'homme, la physicalité s'élève. La maladie ne peut pas vivre. Cela devait être la même chose pour la plante. Nous n'avons pas résolu le problème de notre paysanne brésilienne. Je pense que la solution se trouve dans cette partie de l'enseignement. Nous avons une équipe agricole qui peut y revenir. Merci beaucoup pour aujourd'hui et j'espère que nous allons clore l'un des chapitres les plus horribles de la vie de l'homme avec cet herpès. Nous allons publier un article. Il y a un document sur la façon de surmonter le diabète. Vous allez voir comment nous donnons les conditions crédibles à beaucoup de choses en général. Nous commençons à construire le partage des connaissances. Nous en tirons tous des bénéfices. Nous pouvons nous aider mutuellement à vivre une vie meilleure, peu importe le niveau, le partage, le savoir. Si vous êtes à la recherche, c'est bon ? C'est bon. Oui. Si vous êtes à la recherche de connaissances et que vous avez du temps libre, prenez le lien et allez sur d'autres sites, des centres de recherche qui travaillent sur ces choses, dans votre langue, et affichez-le là, laissez-les lire. Nous sommes des chercheurs libres du savoir, nous partageons nos connaissances avec des chercheurs scientifiques. Nous devons vraiment les éclairer et les inciter à faire de la recherche dans la bonne voie et la meilleure solution. Ils donnent crédit aux chercheurs de connaissances de la Fondation Keshi. Nous devons créer une crédibilité pour que le journal soit indépendant, empirique, parce que l'homme écrit. En voyant quelque chose de nouveau, le changement se fera, mais allez dans l'écriture. Je me suis mis là-dedans, c'était mon ancien point de vue, c'est mon nouveau point de vue et la raison pour laquelle il sera très agréable de comprendre comment est la connaissance. Mais nous devons le faire, beaucoup d'entre nous ont été des spectateurs assis sur la chaise à écouter. Et si nous vous testions, maintenant la collecte sera de faire, d'écrire des articles sur ce site web, prendre un lien, l'envoyer au contact scientifique, s'il vous plaît. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont toutes les pages de la Fondation Keshi, une par une, année après année. Et nous avons remarqué qu'à l'Université de Manchester, il y a une publication de la nanotechnologie. Ils viennent voir ce qui est nouveau. Et après ça, on les a vus gagner le prix Nobel pour leur nanotechnologie. Nous leur avons dit que ce serait sympa d'apporter leur crédit. Où avez-vous pris ces connaissances ? De nombreux scientifiques viennent aux enseignements sur le site. Cela ne coûte rien, ce qui veut dire que vous aviez le résultat en toute sécurité. Mais partagez les connaissances. La vie de quelqu'un pourrait être sauvée ou quelqu'un pourrait être éclairé avec vos recherches et vous pourriez ainsi changer l'esprit, le comportement de quelqu'un.
Je partage mon temps et vraiment ma vie et mes connaissances. Et certains d'entre vous sont les chercheurs de connaissances. Ils doivent apprendre à faire de mieux, de même, au moins être généreux dans le savoir appris. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, nous continuerons avec les herbes, à moins qu'on ait autre chose. Merci à Rick et à tout le monde en arrière-plan, en train de mettre au point leur documentation et tant de choses. Merci encore. Et c'est la fin du 243e Colin Chinkers Workshop du 27 septembre 2018. Merci à vous tous. Merci Christiane. Merci. Merci à toi Christiane. Merci Christiane. Merci Christiane. Merci Sylviane. Merci tout le monde. Merci Christiane. Merci tout le monde aussi. Merci. Merci, tout le monde. Merci beaucoup pour votre grand travail, immense travail, les traducteurs. Des questions par rapport à ça, par rapport au traitement de l'herpès, c'est clair pour tout le monde? Oui. Qui parle? Ce qui est pas très clair, c'est d'aller chercher le contenant. Si on n'a jamais eu d'herpès autour des lèvres, où est-ce qu'on va aller le prendre? C'est que tu n'as pas d'herpès, tu fais partie des millions de personnes qui n'en ont pas quand même. Mais donc, si, il a dit qu'on ne le savait pas, il y avait quand même les trois quarts de la population qui l'a et on ne le sait pas. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, mais là, là-dedans, finalement, tu peux faire un gans qu'avec la matière, en fait, ce qui va sortir. Oui. Hein. Mais, oui. Bon, moi, j'ai une petite histoire à ce niveau-là, parce que j'avais une amie qui avait un herpès qui revenait régulièrement. Et puis, dès que j'ai eu les gans là pour moi, avec moi, je lui ai donné, en fait, hein, et elle en buvait, en fait, hein, tout simplement. Et puis, je crois il y a 15 jours, elle m'a dit « Écoute, mon herpès est revenu. » Je lui ai dit « Ah bon ?» Et ben, écoute, je lui ai dit simplement « Tu t'en vas. » Et il est parti. Donc, je pense que déjà, il y a aussi le terrain a été nettoyé. Et puis, après, il y avait la condition du mental, en fait, hein, la force. Et c'est moi qui dirige. C'est « Allez, hop, tu t'en vas. » Et c'est parti. Voilà. Donc, tout ça, c'est aussi une question de force de l'individu aussi. Par contre, selon ma compréhension, ce qui est important quand même, c'est que l'herpès, comme le dit M. Keshe, est un paquet d'énergie qui est dynamique et qui est bien créé par l'âme. Oui. Initialement, et donc qui s'inscrit dans l'ADN, voire même l'ARN, donc qui reste dans la mémoire. Et donc, il a une force qui peut être supérieure à la force de l'âme. Donc, et je pense que c'est à ce moment-là où il va créer une contrepartie physique. Ça peut être au niveau des lèvres, puisqu'il va choisir les endroits les plus faibles pour pouvoir se manifester. Donc, ça peut être les lèvres, ça peut être les parties génitales. Voilà, hein. Donc ça c'est très important de savoir que c'est une force très importante et que jusqu'à présent on ne traitait l'herpès qu'au travers, je dirais, de certaines pommades, voire certains traitements en interne, mais qui n'allaient pas soigner la mémoire, qui n'allait pas, je dirais, au plus profond de notre ADN, voire de l'ARN. Donc, ce qui est fabuleux dans ce qu'explique M. Keshe, c'est qu'en fait, en faisant un gans d'herpès, on va pomper cette énergie, on va lui enlever de sa force. Et partant de l'âme, de là, je dirais, l'âme pourra après gérer. Voilà, gérée par elle-même. Et donc, l'herpès n'aura plus, je dirais, de conséquences néfastes.
Donc, je pense qu'il y a surtout un peu, enfin, danger, entre guillemets. L'herpès va devenir, je dirais, aura une force plus importante que l'âme dans la mesure où il va se manifester dans la physicalité. Pas vraiment être plus, à mon avis, il ne peut pas vraiment être plus fort que l'âme, puisqu'il est créé par l'âme. Oui, mais il reste dans l'âme. Oui, bien sûr, c'est l'expression de l'âme, en fait, de cette mémoire enfermée à travers le corps. Donc, si on permet à l'âme de s'exprimer, ou si on l'aide un peu avec, vous avez nous CO2 déjà, ou avec l'intention, ça va lui permettre d'être connue à travers l'expression qu'elle a donnée, de laisser passer peut-être ce paquet d'énergie qui ne pouvait pas passer par la parole, parce qu'il était... Il n'était pas disciple, quoi, tu vois. Et même s'il est latent dans les corps, si on faisait un gaz d'urine, ça pourrait fonctionner. Tout à fait, puisqu'il est ancestral, hein, il a bien dit, il ne nous appartient pas vraiment. Hein. Donc, par contre, il me semble que dans ces cas-là, parce que pour moi, l'herpès était contagieux, sauf que dans la mesure où il appartient à notre ADN et notre ARN, ça voudrait dire qu'il ne peut se transmettre qu'à nos proches directement. Voilà. L'ARN, c'est bien le pot commun entre tous. L'ADN, oui. L'ARN. Voilà, tout dépend de la personne. Il y a des échos. Et voir, Sylviane, le traitement, on le prend. Tout à l'heure, en fait, c'est l'expression de cette mémoire ancestrale qui n'a pas pu être exprimée quand l'âme n'avait pas sa partie de physicalité à un moment, hein, il a dit. Ben, ancestral, ça dépend si ça remonte uniquement à notre ADN. Je ne parle pas des ancêtres physiques. Je parle pas des ancêtres physiques par une mémoire ancienne. Où l'âme n'était pas encore matérialisée dans la physicalité. Donc, vous parlez aussi de ce moyen d'expression. Comment, Corinne, tu as dit ? Donc, ou forcément. Tant qu'il n'y avait pas la matérialisation physique, il n'y avait pas ce moyen d'expression. Donc, elle ne pouvait pas sortir. Et elle ne sort toujours pas parce qu'il faut trouver peut-être le chemin pour la faire sortir maintenant. À un moment, il parle bien de ça. Hein. Il dit que ça ne nous appartient pas. C'était là avant, quand l'âme n'était pas encore matérialisée. D'accord. Tu confirmes, Christiane, hein, toi qui as... Tu as traduit, Élie ? Je t'entends très très mal, Corinne. Ah, désolée. Je t'entends très 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 loin. Donc, je ne comprends pas toujours ce que tu dis. Je parlais de cette mémoire qui est avant que l'âme soit dans la physicalité, en fait. Voilà. Et donc, il n'y avait pas ce moyen d'expression. Puisqu'il n'y avait pas de physicalité. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça ne nous appartient pas. Enfin, maintenant, c'est en nous quand on est dans la physicalité. Ah, ça a été très... c'était très clair, hein, comment il l'a expliqué. Hein. Oui, pour moi, ça l'a été aussi. Merci, en tout cas, de cette traduction, parce que vraiment, c'était super. Ben, elle était dense, mais elle était... très bien suivi. Hein. Moi, je suis émerveillée du sens et de l'intelligence pédagogique que M. Keshe a. C'est impressionnant parce que là, cet enseignement, il se tient complètement. Tout est parfait, en fait. Hein. Même John est arrivé là, avec ses petites questions là, sur dadada, sur l'âme supérieure. Mais c'était parfait, en fait. Hein. Parce que, non, il y a une très belle équipe. Hein.
C'est évident que là, M. Cache est très, très bien entouré et que ça rebondit. C'est vraiment merveilleux. Voilà. Ouais. Et à un moment, il parlait d'un cauchemar, comme de quelque chose qu'on ne voulait pas s'en souvenir. Oui, oui. Et oui, et ça... c'est le niveau des peurs en fait, hein, parce que c'est vrai que rappelez-vous quand vous étiez enfant, s'il y a eu un cauchemar et que vous n'avez pas parlé en fait, hein, à vos parents ou à votre entourage, ça reste en fait, hein, et c'est l'histoire des peurs qui restent, qui n'ont pas été exprimées en fait, hein. Et tout ça, c'est entremêlé, en fait. Hein. Bien sûr que ce virus, cette histoire n'appartient pas directement à nous-mêmes, mais par rapport à ce que l'on a vécu, ça va peut-être donner une connotation, une coloration à cet herpès, ce virus-là qui arrive, en fait. Hein. Donc, tout est lié, en fait. Hein, et, ouais, mais ça, je l'ai très bien perçu, en fait. Hein, parce que Dieu sait si, moi, avec mes petits-enfants, si je les coucoune, parce que je leur dis, hein, dites-le hein, quand ça ne va pas. Et ça, c'est que ça soit verbalisé, surtout. Ça, il dit qu'il va chercher la réplique dans le cerveau, en fait. Mmh, oui, oui. Exactement ce que tu es en train d'expliquer. Ouais, ouais. Oui. Oui, et c'est là, c'est l'émotion, hein, parce que le cerveau émotionnel est là autour de l'âme. Donc tout ça, c'est entremêlé, ça a une. Donc on est je pense qu'on est au début de la compréhension de comment on est fabriqué, en fait. Hein. Et là, ces trois couches avec cet espace vide, ça correspond tout à fait à ce qu'on est en train de comprendre avec les disques. Et pour moi, là, quand j'ai fait cette traduction, c'était une très belle ouverture, en fait. Je me dis, tiens, oui, c'est comme ça que certainement M. Cache a compris ça, en fait. Hein. Voilà. Ouais, Christiane, vas-y, approfondis sur le parallèle avec les disques, s'il te plaît. Ben, avec les trois couches, tu vois, la peau. C'est-à-dire notre peau, notre peau superficielle a trois couches, et puis elle entoure, elle nous entoure en fait. Hein. Ça fait comme c'est un système énergétique notre corps. Hein. Il est composé que d'énergie libre. On fonctionne normalement sans problème en fait. Hein. Donc je pense qu'il y a à observer comment on fonctionne. Et ça va nous permettre de comprendre cette nouvelle énergie des disques, en fait, cette nouvelle technologie là, avec les disques. Et surtout quand il y a une rotation dans un sens et dans l'autre. Et quand on comprend l'histoire de la peau, l'histoire de l'intérieur du corps, ça bouge comme ça, en fait. Hein. Oui, merci, ça y est, j'ai eu l'image, en fait. T'as l'image, les trois, oui. Ouais, les trois couches de la peau. Ouais, je comprends maintenant l'histoire de la partie libre, les trois couches de la peau, c'est comme l'extérieur et l'intérieur, c'est comme les deux plaques, et le milieu, c'est le potentiel des deux plaques, en fait. Ouais, ça, ouais. Et donc, il peut y avoir un vide. Si... Ok, merci. Non, puis il l'a bien dit aussi, quand il y a cette bouche avec les trois couches, et puis il y a cet espace où il y a l'environnement alimentaire et de la respiration. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Et je pense qu'on a encore à comprendre là-dedans. C'est vrai que moi, ça m'a permis d'y réfléchir beaucoup là, de ces jours-ci. Et la réponse, elle va arriver. Hein, de toute façon, c'est évident. Hein, mais tout ça, c'est pouvoir comprendre. Et puis après, à un moment donné, ça va émerger, en fait. Hein. Voilà. Oui, sûrement qu'avec les deux, en fait, respiration et alimentation. Le champ énergétique des deux peut faire la couche du milieu et peut suffire à nous nourrir sans avoir besoin de la respiration ou bien de l'alimentation. En fait. C'est l'énergie des deux qui crée la couche du milieu. Oui, il disait bien aussi que par cette couche du milieu de la peau, le virus, il arrivait au cerveau et pouvait aller où il s'enchantait.
Ouais. Ma fille aussi a eu ça dernièrement, de l'herpès sur la lèvre. Avec le gant de CO2, elle l'a fait partir. Mais maintenant, on doit faire un gant de cet herpès pour lui donner. Oui. Et tu comptes, ça va réapparaître. Oui. Tu prélèves finalement de la peau, hein, parce que c'est vrai que l'herpès, finalement, il y a une desquamation hein, de la peau autour. Et puis, il y a un liquide hein, qui se. Oui, il y a un liquide qui sort, c'est vrai. Et pour moi, c'est comme tu fais comme un gant alimentaire, en fait. Hein. Et puis. Elle mange avec du CO2. Oui. Et puis, voilà. Mais déjà, avec le CO2 et le CDNO, tu vois, moi, avec cette amie-là que je connais bien, déjà, il y avait un résultat. Et puis, il y avait cette force de caractère, en fait, individuelle qui est là. Donc, elle fait quoi avec ce gans après elle? Je lui donne ce gans parce que c'est personnel, elle... c'est à elle. Et oui. Puis, elle l'a bu, hein, tout simplement. Elle l'a bu en tant que boisson. Hein. Elle boit le gans avec le gans. Hein? Ah, oui, d'accord. Ouais. On peut peut-être faire des patchs aussi, non? Le liquide, bien sûr, de gans, hein, Catherine. Mm-hmm. Ouais. Liquide plasma, hein, pas le gans. Non. Oui. Okay. Moi, je voudrais une précision supplémentaire. Le prélèvement qu'on fait sur l'herpès, on le met dans le liquide, dans l'eau salée, ou on le met dans un petit sachet qui va tremper dedans? Alors là, ce n'est pas précisé. C'est vrai que j'ai cherché. Voilà. Ce n'est pas précisé. Pour moi, finalement, il y aurait plus un petit côté, tu vois, tu le mets dans l'eau de gans de CO2 et l'eau de gans de ZNO, en fait. Hein. Mmh, l'électrolyse. Et puis, voilà. Et puis après, ben, finalement, tu peux. Tu peux prélever finalement cette eau, en fait. Hein, parce qu'elle va, il y a un transfert qui va se faire, en fait, hein, une électrolyse. Mais à mon avis, c'est comme les gants de médicaments, tu les mets dedans. Exactement pareil. Pour moi, c'est aussi clair. Dans l'eau, alors? Ouais. Ok, d'accord. Mais il faut qu'il y ait de la matière au fond. Il faut qu'il y ait du gans au fond. Il faut qu'elle se crée. L'électrolyse, il va se faire. La matière, ça va être la peau, le liquide de l'ampoule, de l'herpès. Ouais. Sinon, vous pouvez le mettre dans une petite fiole aussi, comme un tube à essai, et puis mettre un tube à essai au milieu du bac. Oui. Oui. J'avais fait ça, moi, pour un gans de sucre pour quelqu'un qui avait du diabète. Du coup, l'idée c'était de ne pas mettre le sucre dans le bac et qu'ils ne boivent pas de l'eau qui voilà. était sucrée. Et voilà, donc j'avais mis le sucre dans une petite fiole. Ouais. Je pense que les deux sont corrects. Oui, chacun va le. Après, on n'a pas envie de boire de l'eau qui contient du liquide d'herpès, vous voyez, c'est moyen. Il n'y a plus d'herpès là-dedans. Ouais, mais vaut peut-être mieux. Enfin, je sais pas. Moi, je le mettrais dans la fiole de gans quand même, pour qu'il y ait juste le champ. Ok, si tu fais un gans d'urine, tu fais quoi des pâches alors, juste. Hein, mais il y en a qui boivent l'urine, c'est la maroli, mais voilà, là, boire de l'herpès quand même. Bon. Ouais, c'est vrai que. Non, mais dans le tube à essai, c'est vrai que je fais souvent ça, hein, moi, et ça fonctionne en fait. Hein, bon. Ouais, c'est peut-être plus hygiénique. Oui. De notre compréhension occidentale. Ouais. Bon, et autre chose, là, il y a plein de virus dans l'univers, mais ça me paraît bizarre. Ça ne colle pas, quoi. L'univers, c'est quand même du vide, quoi. Comment est-ce qu'il y a tant de choses là-dedans, quoi? Lui parlait des champs plasmatiques différents qui existent dans l'univers, donc c'est sans doute à ça qu'il pense. Ouais, peut-être. Je crois que je l'ai réunirai, je comprendrai mieux. Oui, on en parlera peut-être dans les enseignements suivants.
Oui, tout à fait. Vous avez une image, l'exemple de Gans fait dans un tube à essai avec le chant. Tu peux parler plus fort, Corinne. Ah, pardon. D'habitude, on m'entend trop. Je dis, je vous ai mis une image, je ne sais pas s'il partage. Ah, c'est toi, toi ? Oui. C'est un gans de plante que j'avais dû faire. Où... Donc voilà, il y a le tube à essai qui trempe entre les deux plaques. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est un exemple. Hein. Sinon, on est dans le CO2. Oui, le CO2, pareil. Plein de Donc, Adil voulait nous montrer une jolie histoire, c'est ça ? Une jolie photo, plutôt ? Une vidéo, je crois, plutôt. Oui. Oui, bonsoir, je suis là. Et par contre, je peux pas, si quelqu'un peut partager la vidéo à ma place, parce que j'ai que le téléphone, là. Ouais. Et là, où t'as vu ça ? C'est l'enseignement d'aujourd'hui. C'est à la fin. Tu l'as publié, je crois. Tu l'as publié, Adil ? Je crois qu'il doit être sur la chaîne de la Fondation Cash, la chaîne YouTube. Mais pas déjà. Après, je vais aller voir. Attends, j'y vais voir, moi. Attends. Vous voyez là ? Oui. Ah oui, super. All right. Thank you, Mr. Keshe. T'as le minutage, Adil, à peu près ? Non, mais c'était vraiment à la fin. Waiting for you to confirm. Okay, we've got. We try to keep identities and. Il parlait des entités là. Et j'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui voudraient revenir dessus plus tard. C'est vraiment à la fin. Et ce matin, Monsieur Keshe, il a annoncé qu'il y avait une conférence en fait au Brésil sur la technologie Keshe, et c'était une conférence nationale. Et si j'ai bien compris, le gouvernement en fait a accepté la technologie. Donc c'est pas le premier gouvernement qui accepte, puisqu'il y a les pays d'Afrique qui ont accepté la technologie, mais là c'était ça se rapprochait, on va dire, du continent américain, et puis c'est un grand pays, le Brésil, hein, ils sont très peuplés, donc ça avait l'air d'être une grande grande nouvelle pour eux, entre autres parce qu'il y a eu plein de nouvelles aujourd'hui. Et ils viennent d'échanger du président en plus au Brésil. Adil va vous montrer le reste là. Wait to hear the song, but we see the video. Previous one with the stop. Peut-être tu peux leur expliquer, Adil, ce qu'il voit à l'écran là, ou ce qu'il voit pas. We hear the sound, but nothing. It was covered by the previous video, which was stopped after playing. Alors en fait, on voit. Attendez deux secondes.
Oh, I see it didn't share properly or something. Let me get rid of the other ones. Maybe that's an issue here. En fait, sur la vidéo, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ok, let me do that. Voilà, en fait, à la fin, quand il montre le réacteur de la Fondation Cachine, en fait, on voit une entité qui passe devant. Donc, une âme, quoi. Il y a une âme qui passe devant le réacteur. There we go. Mais c'est plus loin dans la vidéo. Sylvie, on en cherche à la fin de la vidéo. Plus loin, plus loin, plus loin. Encore, encore. Could we listen to it again, encore, Mr. Cash, with that in mind, perhaps? Ce qui vient vers les 4 heures là-bas, plus loin. Ouais, c'est juste avant qu'il commence à parler de la conférence du Brésil. Alors, peut-être revenir un peu avant. Ben, tu vas trop vite. Alors, je vais essayer de trouver le timing et je reviens. C'était vers 3:40. Comment? C'est quand il y a la boule blanche? Non, c'est pas celle-là. C'est une autre vidéo qui a été montrée. C'est après la boule blanche, Sylviane, et avant les images du Brésil. Moi, j'ai la boule blanche. Would you like to translate? It's be easier. Bon dia, je vais aller voir le timing pour vous. Please go ahead. Hoje vamos fazer a nossa primeira apresentação, Rui, lá no nosso congresso. Estamos aguardando. Today we are going. Can you stop the video, please, Rick? Can you stop on the plane, please? Carry on the clock. Can you carry on translating, please? Can you take the video off, please, Rick, so we can concentrate? If you want to show the conference picture of the presentation, you have it. Carry on, please translate. So Claudia was saying today. Dis là, on arrive sur la conférence déjà. Alors, tu sais, des fois, les intervenants, ils sont coupés, donc ils repassent au sujet précédent. Et donc, c'est peut-être juste après. Stop. Voilà, là, tu vois, il y a le réacteur. Ah, c'est là? Voilà. Ça doit être par là. Adil est en train de chercher le minutage. Monsieur Cash, en fait, a montré les travaux en Chine. Et il a parlé donc du réacteur. Alors moi, je n'ai pas suivi, c'est Adil qui a suivi, donc je ne vais pas vous en parler, c'est Adil qui va venir le faire. Mais là, vous voyez, vous pouvez essayer de grossir l'écran, vous allez voir à quoi ressemble un peu le réacteur. C'est ça le réacteur. Three or four reactors, five reactor cores, and it's set up. Alors là, tu peux mettre pause. We learned a lot from it. It was important for the Chinese space program. Voilà, donc là, en fait, ça, c'est le réacteur qu'ils ont en Chine. Et donc, Monsieur Cash a expliqué qu'il faisait des tests avec ce réacteur-là. Et je crois, hein, après, tu me diras, Christiane, si c'est bon, mais je crois qu'ils peuvent commencer à créer de la matière avec celui-là. Et donc là, si tu remets la vidéo en route, et en fait, il faudrait mettre, tu sais, la vitesse de lecture lente, et on va pouvoir le voir. Je la mets à combien? 0,75. Ouais, 0,5.
Ouais. 05, tu crois? Et vous voyez le réacteur, il y a une partie qui est dynamique en fait, qui tourne là. Donc j'imagine que les sphères tournent déjà sur elles-mêmes, et qu'en plus elles tournent en rond. Ils sont forts. Hein. Alors aussi, on peut voir aussi à l'intérieur, derrière les balles qui tournent au centre, il y a de la lumière qui apparaît. De temps en temps, il y a des flashs. Et si vous faites attention, vous pouvez les voir. Là, j'arrive pas à le voir là, sur la vidéo. J'essaierai de faire des captures d'écran. Ah, Adil, c'est quelque chose qui traverse l'écran ou qui flash un coup? C'est une petite lumière blanche qui traverse l'écran dans le vers le bas de l'écran. Ok. Je la mets un peu plus loin. C'est comme un orbe en fait, mais. Maintenant, c'est que les orbes, c'est des âmes. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était une âme. Ouais, je regarderai, je n'arrive pas à le voir. On arrive à la fin. Ouais. Et j'arrive pas à le voir. En fait, il est au niveau des petits réacteurs qui tournent en bas. Et il traverse l'écran de gauche à droite. Et ça va tellement vite que la première fois, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que Rick a passé la vidéo pratiquement 3 ou 4 fois. À force, je l'ai vu. À force, je l'ai vu. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Mais j'arrive pas à le revoir, là. Donc, je vais essayer de faire un screenshot et de l'entourer pour qu'on puisse le voir. Attends, ça va se terminer.
Et pendant la conférence, j'ai entendu M. Cash qui disait qu'il allait y avoir des vaisseaux dans le ciel, mais dans les jours qui arrivent. Voilà, bah après, sinon, je ne sais pas si vous avez vu au centre, derrière les balles qui tournent, qu'il y a des flashs orangés. Oui, je les ai vus. Voilà. Donc pareil, c'est toujours la création de lumière à travers les champs. Adèle, la boule blanche qui suit par la suite, elle se situe où dans le système là? Tu le sais? La boule blanche qui passe, elle est À la suite de la vidéo, il y a la boule blanche qui tourne. Une grosse boule blanche, tu vois. Avec la lumière. Oui, celle où, dans laquelle il y a la lumière. Elle se situe dans le système là ou elle est à côté? Tu sais ça? Je ne sais pas, mais sur les vidéos qu'ils ont montrées, ça avait l'air d'être autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est un autre système. J'essaie de me rappeler. C'est une usine à gaz quand même leur truc. Hein, mais... Ah ouais, on a encore du boulot là. Hein. Un petit peu, oui. Ouais, mais ça, c'est au niveau d'un pays, quoi. Oui, mais c'est beau. Mais on va se trouver vachement en retard par rapport aux évolutions de la technologie, parce que on travaille chacun dans notre coin, bof, avec nos petits moyens et tout, le peu de temps dont on dispose, alors que là-bas, ils se sont rassemblés, ils travaillent en commun et ils planchent dessus tous les jours. Et du coup, on va se retrouver... complètement largué en fait. Hein. Ils font du gans de rayon X, ils font du gans de neutrons. Et nous, on est toujours à essayer d'expliquer la différence entre le zinc et le CO2. Donc, c'est sûr qu'on va être là, on prend du retard quoi, hein, par rapport à. Après, chaque chose vient en son temps, je sais. C'est vrai que les plus avancés sont les Chinois. Les Roumains sont pas mal non plus. Ils se débrouillent bien et font aussi pas mal de choses. Ils les ont cités d'ailleurs aujourd'hui à plusieurs reprises, hein, l'équipe roumaine scientifique. Mmh. Je crois qu'ils ont parlé des Polonais aussi et des Chinois. Et puis l'Afrique qui allait faire un bond géant et nous qui allons nous retrouver à l'âge de pierre alors que les pays du tiers-monde auraient déjà les vaisseaux. C'est pas grave, de toute façon on partage. Oui, et puis ben, ça sera quand on sera prêt. Si ça y est pas, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Mais enfin, il a dit de se bouger les fesses quand même, et puis de qu'on devait tous s'y mettre. Et ils ont beaucoup insisté à chaque conférence. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'il faut aller partager nos expériences, même si c'est une petite expérience chez vous. Ils demandent qu'on aille les poster. Alors, je n'ai pas l'adresse là, mais ils veulent qu'on les poste à une adresse email, dans sa propre langue, plus une traduction anglaise, et pour qu'ils la fassent paraître dans la KF Plasma Times Newsletter. Là. Donc, c'est un petit journal numérique qui publie. Et ça a l'air vraiment très, très important pour eux qu'on partage les publications. Et je viens de faire le rapprochement avec ce que tu as dit tout à l'heure, ou je ne sais plus où j'ai entendu ça. À l'université pour Cambridge qui avait publié des trucs, c'est Christiane qui a dit ça, je crois. Et en fait, c'est ça. Dans l'enseignement, c'est oui. Oui. Manchester a piqué des. Voilà. Des informations. D'où l'importance de mettre vos travaux en fait sur un genre de petit journal pour qu'on puisse dire au départ, si vous voulez, que. Enfin, je ne sais pas si c'est important de dire qu'au départ, l'information vient de là. Mais en tout cas, pour donner de la crédibilité à la Fondation, oui. Oui, ah oui, c'est... oui il a beaucoup... il insiste tout le temps, en fait. Hein. À chaque enseignement, il en reparle. C'est important, en fait. Ouais. Et puis, on l'a toujours pas commencé, ça, en France. Donc, il faudrait réfléchir à comment on pourrait faire, parce que je sais que tout le monde ne parle pas anglais, mais peut-être tout simplement en utilisant Google Traduction ou DeepL.com. Oui. Quand vous faites une petite expérience,
Alors, essayez de synthétiser au maximum pour ne pas avoir trop de blabla à traduire, hein, parce que plus il y en a, plus c'est compliqué. Et d'aller droit au but, et puis d'envoyer à cette adresse email. On va essayer de la trouver pour vous la communiquer. Et dès que vous faites une expérience, paf. Ouais, je viens de la mettre dans les chats. Ah, merci, Lily. Il voulait faire des formes scientifiques, il y a un peu, quand même. Hein. Tu vois? Donc, ouais, pas alors là, on n'est pas tous. Au moins que tu dises quelle celle qu'elle t'a utilisée, combien de temps, un peu, tu vois? Ouais. Pensez à peser aussi. Moi, quand j'ai fait mon expérience sur l'eau, on m'a demandé de peser et j'ai eu une grosse surprise. C'est que je créais de l'eau, mais le poids diminuait. Donc ça, c'était intéressant. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore de le traduire en anglais, mais il faut que je m'en occupe. Et donc, n'oublie pas de peser, de prendre des températures à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, essaye de penser un peu à toutes les éventualités. Mais de toute façon, on peut l'envoyer dans notre langue d'origine, non ? On n'est pas obligé de le mettre en anglais. Ben aujourd'hui, il a dit Monsieur Kesh. Ouais, mais... En anglais. En français. Non, non, les deux, quoi. La langue d'origine plus l'anglais, il a bien dit. D'accord. Je crois que tu serais plus intéressé, mon histoire de verre d'eau que j'ai publiée il y a quelques jours. Mais oui, je pense que tout les intéresse en fait. Parce que nous, on ne voit pas la totalité, mais eux, ils en voient plus que nous. Et du coup, ils peuvent assembler plus de pièces du puzzle, si tu veux, même si nous, on ne se rend pas compte de l'impact. Bon, moi, je vais sans doute faire quelque chose. Oui, ok. Voilà. D'autres choses à ajouter ? Des commentaires, des questions ? Comment on pourrait faire pour envisager de travailler en groupe, de se retrouver quelque part ? On en avait déjà discuté un coup. Parce que c'est vrai que moi, j'aimerais bien bosser avec du monde. Je bosse déjà avec du monde, mais plus avec des gens de la Kesh Foundation, ce serait bien. Alors moi, je bosse plutôt avec des gens qui sont sensibles, mais le plasma, ils connaissent un petit peu. Mais c'est dans le nord, si toi peut... Non, toujours pas, dans l'est. Appelle-toi Mulhouse, oui. Tu sais, quand on est dans oui, le sud... oui, c'est beaucoup plus facile, je suis d'accord. Et il faudrait au moins essayer, voilà, de, au moins, je sais pas, de couper la France en quatre et puis d'essayer de se regrouper. Bah, l'est, l'ouest, le nord, le sud, essayer de faire quelque chose, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'adresses. Tu sais qu'à un moment, j'avais projeté d'essayer de voir justement dans ce but. Tu sais, on en avait parlé. Puis après, tu avais demandé à, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui avait déjà fait ça. Et j'ai la carte. Elle t'a jamais répondu. Mais j'ai la carte, ça y est, je l'ai retrouvée, oui, je l'ai récupérée. Mais tu n'as que la carte, mais sur la carte, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas les adresses, il n'y a rien du tout. Ah non, mais ça c'est normal parce qu'on ne peut pas mettre l'adresse des gens publiquement. Oui, voilà. Si ouais. Il faut justement, juste pour les contacter, on fait comment, quoi ? Eh bien, ils ont mis leur adresse email normalement. Il y a juste l'email ou le téléphone. Non, non, sur la carte que tu m'avais envoyée, non, il y en a très peu. Il y en avait deux, trois, oui, puisque moi, pour l'Ariège, je les avais toutes relevées et elles étaient toutes mauvaises. Je crois que je te l'avais dit. Bah, on pourrait relancer l'histoire de la carte. Hein. Ouais, ce serait pas mal. Oui. On peut relancer l'histoire de la carte. Après, on avait lancé les plasma cafés, c'est-à-dire on se donnait rendez-vous dans des brasseries, des bars ou n'importe où, une salle de fête ou dans le jardin de quelqu'un. Mais ça n'a pas eu beaucoup de succès, les gens ne se déplacent pas. Ou peu. À Cahors, il y a eu 4-5 personnes la première fois. À Toulouse, je crois qu'ils ont eu personne, ils ont annulé. À Agen, ils ont eu personne, ils ont annulé. Voilà, donc...
Oui, on est quand même très éloignés les uns des autres. Enfin, moi, dans mon Ariège profonde, s'il me faut venir même à Toulouse, non, c'est beaucoup trop loin, quoi. Mais toi, tu as quelqu'un dans l'Ariège, hein? Il y a Thierry à Saint-Girons. Et tu as Coco aussi. Ah oui, c'est vrai qu'elle est du côté de Lavelanet. Oui, on en avait parlé l'an dernier, oui. Voilà. Oui, mais là, de Lavelanet, je suis à 1h30. Eh oui, mais on ne pourra pas faire mieux. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, non, si on faisait quelque chose. Parce que j'en avais parlé une fois l'an dernier, de faire quelque chose ensemble. Mais je crois qu'elle est très prise, qu'elle travaille beaucoup. Hein. Ça, c'est problématique, hein, parce que oui. Bon, on a un pays qui est grand, il y a des distances, on n'est pas très nombreux non plus. Si on était 4000, c'est sûr que ça serait plus facile. Mmh. Là, vous voyez, on est 20 là, dans la conférence. Ouais, ouais. Donc évidemment, rassembler 20 personnes qui habitent aux quatre coins de la France et peut-être même à l'étranger, c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font des tas de trucs, mais qui n'écoutent pas forcément les enseignements. Ils les lisent peut-être après, mais enfin, je pense pourtant qu'il y a, je suis à peu près certaine qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, ils ne se font pas connaître. Et puis, on travaille beaucoup sur Facebook et il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à Facebook aussi. Donc, ils ne voient pas ce qui s'y passe. Du coup, ils ne voient pas les conférences. Ils ne sont pas au courant non plus. Bah, tu sais, moi, j'ai ouvert un Facebook juste pour la Fondation Gesh. Parce qu'alors ça, j'y étais plus qu'allergique. Mais moi, sur mon truc, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ni où j'habite, ni il n'y a rien du tout. On n'est pas obligé de mettre quelques renseignements que ce soit. Hein. Mais bien sûr, je sais bien. Je sais bien. Tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'ai travaillé chez McDonald's, par exemple. Ouais. Ouais, non, mais moi, j'ai rien mis. Et puis, ça passe bien quand même. Et je peux aller sur Facebook quand je veux. Voilà. Sur la fondation, c'est la seule chose qui m'intéresse. Mais oui, il faudrait, alors lançons un appel, hein, si quelqu'un veut réfléchir à une solution pour qu'on puisse se rencontrer. Après, on a déjà essayé, on a fait les plasma cafés, des vrais plasma cafés, hein, où on se déplaçait. Mais ça n'a pas vraiment marché. Pourtant, c'était annoncé un mois à l'avance, telle date, telle heure, tel endroit. Oui, oui, oui. À Cahors, on avait fait au crescendo. Le crescendo, vous pouvez prendre juste un café si vous voulez. Hein. Donc, ce n'était pas payant ou pas très cher. Bon, la bienséance veut que, comme on utilise leur lieu, on prenne une limonade, un café ou une boule de glace, je ne sais pas, un truc à 2 euros. Mais ce n'était pas énorme, je pense que. Bon. Après, si quelqu'un a un jardin, on peut aller dans un jardin ou quelque part. Mais c'est vrai, oui, il faut qu'on arrive. Ou alors, cette histoire d'usine, il faut relancer aussi peut-être l'histoire d'usine sur le tapis. Hein. Il y a Gaëtan qui a fait un très 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 beau projet. Mais voilà, on n'a personne qui dit bon, bah allez, moi je cherche un terrain, je m'en occupe et je me lance. Et si on leur trouve un local déjà désaffecté, ils seraient intéressés? Quelle serait la surface mini? Ça, je ne me rappelle plus. Là, il fallait grandir. Et 1000 mètres carrés. T'en rappelles, Adil? 1000 mètres carrés, il me semble. Non, c'est 10 000 mètres carrés. Ah, 10 000 mètres carrés. Oh là, non, parce que avant c'était 1500 mètres carrés, je crois. Et ça a changé vu qu'ils ont un système standard pour toutes les usines à travers le monde. Et donc le standard, c'est 10 000 mètres carrés. Parce que quand je vais au boulot, il y a un truc qui semble intéressant. J'irai à la mairie. Mais c'est vrai que Gaëtan avait fait une proposition qui était super, hein, mais voilà. Pour laquelle on n'a pas eu de validation. Donc, hein. Mais parce qu'ils attendent, ils veulent un terrain en fait. Si quelqu'un trouvait un terrain, on pourrait joindre le truc de Gaëtan, le rappeler et puis qu'il présente son dossier. Mais il faut un terrain et puis déjà c'est la base. Hein. Non, et puis je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment fort, je dirais, pour que le projet se valide. Quelque part, je pense qu'on n'a pas encore une structure suffisamment étoffée, je pense. Je pense que ça joue. Donc, c'est bien une demande qui nous a été faite à un moment donné, mais pour qu'on fasse vraiment vivre la chose, pour qu'on montre réellement notre envie d'y aller. Et
la sauce ne prend pas. Je pense que c'est pour ça que ça reste un petit peu comme ça en suspens. Il me semble. Hein, non, moi, il me semble plutôt que la fille qui s'occupe de ça, je ne me souviens plus son nom, il a Jamila. Un truc à faire et voilà quoi. Tu vois, ça... Non, c'est Jamila. Bon, ouais. On lui avait envoyé le projet de Gaëtan. C'est vrai que Gaëtan s'est pas mal investi. Et puis, bon, apparemment. Jérémy. Vous voyez là ? Oui. Allez. Est-ce que... Voilà. C'est dans pas très longtemps, j'ai mis très long, quoi. Ça y est. Ah oui, oui, ça y est. Ouais, on l'a vu passer. Ouais, c'est beau, refais-nous le. Pareil, vu passer. Arrête, et attends. Wow, super. C'est 357. Tu nous fais un arrêt sur image. Il va falloir faire vite. Parce que déjà, pour trouver le 357, c'est par là, je crois. Si tu règles la vitesse lente. Tu es au minimum. Ah, ok. Si je trouve, c'était avant. Ah non, c'est après. Les minutes sont longues. Je crois que c'est là quand ça va revenir. Voilà, tu vois, il y a le triangle en bas. Dès que le triangle touchera là, voilà. Hop, attention. Il a raté, lui. J'ai raté. Oui. Mais là, tu vois le petit. Ça ne peut pas être facile de flasher dessus. Non. 3, 5, tu vois la petite pointe de truc rouge. Allez. Quoi? Tu vois la pointe du truc rouge qui est entre les deux boules à droite, en bas à droite? Oui, je vois. Dès que la pointe est rouge, allez, ça va apparaître tout de suite. Oui, mais je ne peux pas aller. Là, on est à 357 et 32. Je ferai image par image, puis je vous mettrai ça. L'année dernière, il y avait Coco, justement, de l'Ariège, et puis Antoine qui avait filmé des trucs comme ça. Alors, bien sûr, il y avait plein de gens qui avaient dit « Ah, mais c'est de la poussière qui passe devant la caméra ». Alors, je pense que chacun voit. Ah, je suis pas mal à 19. Bon, ce qui est bien, c'est de faire un arrêt sur image et d'agrandir après. Voilà, alors on va faire. Voilà. Tu l'as dépassé là, non? Non. J'étais 32, on est à 21. Ok. Bon, en fait, je ne sais plus y aller. Putain, c'est terrible. Là, on va approcher. Bon, je vais commencer à faire des arrêts. Bon. Là, ça va venir. Ah, raté. Je peux pas se laisser prendre en photo. Bon. On dirait un petit fantôme qui passe à vive allure. Voilà, alors c'est 3 minutes, 3 h 57 et 31 secondes. C'est 31 secondes. Hein, j'ai fait une copie d'écran et ici, ça m'a mis sur le chercherai. Voilà. Merci, Lee. De rien.
Bon, mais voilà. Hein. Voilà, oui. Je pense qu'on peut s'arrêter là, non? Oui. Moi, j'ai une journée de mal à la tête aujourd'hui et ça va un peu mieux maintenant, mais c'est dur. Ok, bon, ben voilà. Bonsoir à tous. Ok. Et on se retrouve la semaine prochaine pour nous et puis samedi avec Fred et Corinne. Voilà, pour ceux qui sont là, qui sont présents. Par contre, je pensais... C'est vrai, le samedi, vous avez du monde quand même, parce que c'est vrai que le samedi, beaucoup de gens sont peut-être sortent le soir. Ou, non, il n'y a pas énorme. Non, il n'y a pas énorme. Si on arrive... Ah, il y a nos amis roumains qui viennent, qui font un peu de monde. Oui, c'est vrai qu'ils viennent souvent, oui. Ouais. Et si on les enlève, il ne reste pas grand monde. Ouais. Je crois, on est combien, 12 environ. Ouais. Et j'ai pas regardé sur la chaîne YouTube si les vidéos étaient écoutées après, vues ou pas. J'ai pas été voir, j'ai pas eu la curiosité. Faudrait aller voir à la fois sur la chaîne de l'AKF et à la fois sur la chaîne de l'équipe francophone pour avoir une idée. Et où est-ce que tu regardes ça? Eh ben, tu regardes sous la vidéo, il y a écrit nombre de vues. Ah. Et ça donne une idée de combien il y a de personnes qui s'intéressent en fait et qui suivent l'enseignement. C'est intéressant, ah oui, intéressant à savoir. Et sur le soleil de l'INSA, il y en a eu 80. Quoi. Ah, quand même. Ouais. Sur la chaîne de la Fondation ou sur notre chaîne à nous? Aucune idée. Parce qu'en fait, ça devait arriver sur la Fondation après. Non. C'est deux. Il faut additionner les deux en fait. Ah, mais je vais regarder. Okay. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui avait fait le soleil de Lisa? Oui, moi. Pas fini. Pas fini, ok. C'était pour savoir, parce que moi, je me suis mise à côté par hasard, parce que dans le camping-car, il était accroché, moi, j'étais en train de faire la vaisselle. Donc, j'étais la tête dessous. Et en fait, je l'ai senti, j'ai senti des fourmillements dans la tête, et c'est descendu dans mon corps. Je les ai bien sentis. Voilà, c'était pour... Donc, je pense que c'est l'énergie, en fait, que j'ai ressentie. Voilà, bon, pardon, elle était en train de clôturer. Sylvia, je te rends la parole. Pardon. Bonne soirée, tout le monde. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Hein. Allez, merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, Vera. C'est toi qui fermes, Fred. C'est Fred qui ferme.